Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce je suis bien là? Bon. Bon, c'est parfait comme ça. Bonsoir, bonsoir mes personnes connectées. Merci, merci déjà pour les cœurs. Ouais, merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, hein? Merci. Où est le message ici? Merci, merci, merci. Bon, le message est là. Comment vous allez? Dit maman Nabouti, bonsoir. Non, les Ivoiriens sont trop forts. Merci beaucoup. Merci. Oh, je suis là pour vous dire merci pour tous ces vœux d'anniversaire. Ma soeur Francine Ba, ma nièce Chanel, ma petite, oui, je vais l'appeler ma fille, mon tout babou et moi. J'ai reçu ton message. Merci. Ouais, la jeune blogueuse qui est ici au Canada. Ouais, qui a sa page, mon tout babou et moi. Comment tu vas? Oh, merci. Merci beaucoup, mes personnes. En tout cas, les messages, j'en ai reçu. J'en ai reçu plein. Oh là là. Oh, Sonia Ouédraogo, c'est toi qui m'as envoyé. Oui, c'est bien toi, Sonia Ouédraogo. Merci, merci vraiment pour ces 100 étoiles que tu m'envoies. Merci. Ouais, c'est vraiment touchant. C'est gentil de votre part. Ouais, j'ai vu comment vous m'avez souhaité. Les joyeux anniversaires vraiment en cascade là, à gogo. Merci beaucoup. J'espère que toi, je ne suis pas en train de te serrer. Hein. Voilà. C'est ça, hein. Apprenez. Qu'est-ce qu'il raconte là? Bon. Oui, c'est gentil. En tout cas, c'est gentil. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oh, mille bisous. C'est gentil. Bon. J'aime pas ouvrir parce que j'aime pas quand ça me coule dessus. Bon, c'est bon. Au moins là, le monsieur est en train de se préparer pour aller travailler. Moi, je vais faire mon direct. On boit à ma santé et à mon anniversaire. Merci, merci. Bon, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous. Merci. Oh, elle dit tout chic. C'est gentil. Oui, en tout cas. Merci. Brigitte. Oh, merci, merci. Merci à tous. Merci. Bon, aujourd'hui, c'est ma fête. Je suis pas très en forme aussi. Vous voyez ma face là. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Pas très en forme. J'ai un peu des migraines depuis matin. Je me sens pas bien, mais ça va, ça va. Donc, bon, j'ai vu sur des pages là-bas. Vous m'avez surnommé dans l'affaire de la jeune dame ici au Canada. Tout partout, ils ont mis la vidéo de la jeune dame au Canada, oui, qui a le problème à la DPJ. Mon Dieu, j'ai vu comment vous m'avez attaché sur les pages là-bas. L'impacté souffre avec vous. Maman en Canada, au secours, viens au secours de ta soeur. Donc, vous ne savez pas qu'elle a fait une vidéo. Je vais profiter ici pour dire merci. Merci à une tata. Je vais l'appeler tata Maté. Je vais l'appeler tata Maté. Vraiment, qui a envoyé 500 dollars, 570, 570 dollars, plus quelques sous, qui a envoyé ça des États-Unis pour la sœur. Donc, c'est demain que je vais faire sa vidéo. Oui, je vais faire la vidéo de la sœur pour solliciter toute la communauté, toutes les personnes aussi ailleurs. Oui, vous qui avez commenté sur les pages là-bas, là, là. Notre soeur a pris un avocat, donc on va venir pour la soutenir. Moi, c'est des causes comme ça, là. Quand tu commences, là, nous, on peut venir. Mais venir pleurer sur les réseaux sociaux, là, c'est ce que je sais. Pour ça que, en tout cas, je ne suis pas pour ce genre de causes-là. Donc, vraiment, vous m'avez soutenu là-bas, j'ai vu, hein. Wendy et moi, hier nuit, là, on a lu tous vos messages, on a ri. Maman, au Canada, la première ministre du Canada, viens ici, on t'appelle ici. Partout, partout, ils ont mis cette vidéo.
Merci beaucoup. Je suis maman au Canada. Je suis fière de ça même. Voilà. Bon, le pagne arrive à Abidjan bientôt, dans un mois. Oui, le pagne de Monica Z, l'impacteuse. Le pagne de, comme j'appelais ça, le pagne des super fans plus plus. Le pagne arrive à Abidjan bientôt. Vous allez le recevoir. Comme je vous ai dit, ruez-vous dessus. C'est pour la cause des enfants. C'est pour lutter pour la cause des enfants qui sont en difficulté, tout et tout, quand je vais arriver en Afrique. Donc, comme je vous ai dit, mon fan club Monica Z, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous tapez seulement sur Facebook, fan club impacteuse. Voilà, le fan club de l'impacteuse, vous allez voir. Voilà. Oh, vous m'envoyez de gentils messages. En tout cas, merci. Merci à la personne qui m'a envoyé des étoiles. Mes amis, j'ai reçu deux messages. On va rentrer dans le vif du sujet, on va jaser un peu. J'ai reçu deux messages. Ouais, j'ai reçu plusieurs messages, mais dedans, j'ai trié deux. Mais le deuxième, comme j'ai dit à la soeur qui me suit, vous savez, il y a des sujets qui sont pas, ça dit, qui sont pas de ma, ça dit de mon, que je me, ça dit, je me sens pas à l'aise pour en parler, comme on dit. Elle dit, tu m'as passé. Oui. Bon, il y a un sujet où la dame m'a expliqué son problème. Elle a fait venir sa petite soeur. Quand moi je parle, vous avez dit que non, elle a quoi, les gens de France. C'est pas moi, c'est les messages qu'on m'envoie. Oui, c'est vrai, je critique beaucoup l'Europe. Mais oui, vendredi, tout est permis. Mais c'est les messages qu'elle m'a envoyé. Elle a fait venir sa petite soeur. Et sa petite soeur sort avec son mari, couche avec son mari. Vraiment, quand elle a lu le message, elle a dit, ma chérie, ton sujet là, c'est trop intense pour moi. Faut envoyer ça chez la coach là-bas. Ben, la partie de mon mari sort, est telle, mon mari sort là. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Voilà, si tu dis que ton mari a un tel comportement qui n'a rien à voir avec le sexe là, il va être plus à l'aise. Mais quand c'est trop sexuel là, faut envoyer ça chez la coach. C'est pas parce qu'elle était rejetée, elle n'était pas rejetée. Mais c'est parce que chacun connaît son registre. Ça, c'est pas mon registre. Les affaires de mon mari ne font pas bien l'amour. Ou bien mon mari a accouché avec ma soeur. Je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Voilà. Un homme qui couche avec, ça dit que la soeur de son mari, elle a eu les preuves, tout avec dans le lieu. Elle a dit que ça là, si elle rentre dedans, elle est trop dérangée. Donc, ce n'est pas mon domaine. Oriente-toi vers la coach. La coach là, elle est vraiment spécialisée dedans, c'est son domaine. Maintenant, le deuxième sujet, vous avez vu le titre. Ça se passe en Angleterre. Bonsoir l'impacteuse canadienne. Affaire des impacteuses canadiennes. Je t'écris depuis la ville de Coventry. Coventry, je ne connais pas là-bas, mais j'avais une amie qui habitait à Coventry. Je crois que c'est à 2 heures environ de Londres. C'est en Angleterre. Je t'écris parce que ma vie est routinière depuis 6 ans que j'ai rejoint cet homme ici. Avant le COVID, on ne sortait jamais. Depuis que je suis rentrée ici en Angleterre avec lui, jamais les pieds au restaurant, pas de voyage, juste du sexe, manger et le téléphone. Voilà le message qu'on nous a envoyé. Voilà, elle dit, ça fait 6 ans que ce monsieur-là, elle l'a rejoint. Elle est arrivée derrière lui là-bas. Ils ont eu, en 6 ans, ils ont eu 2 enfants. Selon quand elle m'appelle. Quand vous m'envoyez les messages, après je vous rappelle. C'est une de mes impactées très très fortes. Donc, elle a regardé, elle a vu que le sujet là, vraiment, elle souffre de ça. L'homme là, c'est les hommes manger, dormir. Ça dit manger, chier, dormir, faire l'amour. Il y a des hommes comme ça. Lui, il t'envoie en Occident là. C'est comme vous vivez au campement toujours. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Ça dit, quand je suis rentrée même en contact avec elle, elle m'a expliqué, j'ai dit wow. Et la femme qui m'explique ça, la jeune femme qui m'explique ça, là, c'est une jeune fille de 31 ans qui vit avec ce monsieur-là, qui est un peu âgé. Oui, selon ce qu'elle m'a expliqué, il tend vers la cinquantaine, il a 48 ans. Donc, ce monsieur de 48 ans-là, il a enlevé la fille au pays. Il est parti la marier là-bas. Il l'a envoyée. Elle m'a envoyé ses photos. Mes amis, c'est pas pour vous blaguer, c'est une fille qui est au point. Ça dit, il y a des hommes même quoi. Quand ils prennent des femmes et puis ils les déposent dans la maison là. Elle m'a envoyé les photos de son mari. Mais je lui ai dit que c'est passé à faire des mariages aussi là. Un problème. Sinon, bon, tu as tourné quand? Bon, vers la fin là, le gars est quitté en Occident.
Il est venu, il t'a trouvé en Afrique, il a dit, va te marier. C'est quelle femme tu vas refuser si on veut l'envoyer en Occident? Il n'y a pas une femme qui va refuser. J'ai dit que si tu veux, il faut prendre un gros avion dernier cri, tu déposes ça. Il faut être le bossu, le dernier des bossus, même ici en Occident. Il y a des belles femmes pour toi en Afrique. Donc, c'est comme ça, merci beaucoup. C'est comme ça qu'il est parti marier la soeur là-bas, arrivé là, en Angleterre, où il l'envoyait à Coventry. C'est affaire de foutu. Sauce graine, ayonia, que de bœuf. Ça dit, s'il l'a mangé, c'est fini. Je lui ai dit que, mais ma chérie, avec Covid-19 là, où est sortie? On fait pas sortir. Elle dit, l'impacteur, ça n'a rien à voir. Je lui ai dit que ça fait 6 ans, ce monsieur-là m'envoie ici. On n'a jamais mis les pieds dans un restaurant. Mais il y a matière à réfléchir. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Hein. On va doucement. Vous comprenez? Mais de vous à moi, oh, tu vas vivre avec une femme dans une maison. Ça dit que même les petites salades dehors d'un petit cabaret au coin de la rue du quartier. Si tu prends le café, un petit café. Si tu prends le thé, un petit thé. Jamais, jamais de la vie. Ça dit que lui, il a signé un pacte avec les restaurants. Pour dire que lui ne met jamais les pieds là-bas. Ça dit, lui et les restaurants de Coventry là-bas, là, ils sont en parlable. Ça, c'est une vie de couple qui est là. Donc, je vis en Occident, là. Mais c'est comme ça, vous faites... Et puis, quand vous partez chercher des femmes, ça dit que quand tu maries une femme, là, oui, hein, c'est vrai, tu t'es marié, on dit, il faut te caser. Je veux me caser, mais ça ne veut pas dire que je suis dans une caserne. Je veux me caser. Ça ne veut pas dire que je suis dans une caserne militaire où on m'enferme avec des règles strictes. Ça dit, vous confondez tout. Elle, j'en viens. Rebecca Junior Man, j'en viens. La partie, tu me connais. J'ai dit, mais si lui, il ne t'a pas invité, tu peux l'inviter. Elle me dit, l'impacteuse. J'ai essayé par plusieurs fois. Tu comprends? J'ai essayé par plusieurs fois. Mais seulement que, désolé de vous dire, j'ai marié un homme avec lequel je n'ai pas les mêmes idées. J'ai marié un homme, pour être honnête dans la vraie vie, quand tu t'es cherché, quand à un moment donné là, ça dit que tu commences à avoir peur, faut pas y rester comme ça, des Joe, mes amis se marient, et puis quand le monsieur est venu me trouver à Abidjan, vraiment, j'avais tous mes petits trucs, j'étais un peu au point, je travaillais à ce côté. Et puis ce monsieur est venu la marier. Donc c'est comme si, c'est comme la belle et la bête, en quelque sorte. Imaginez la belle et la bête. Ah, mais c'est ça, hein? Quoi que tu dises là, une femme là, quand tu commences à dépasser un certain âge là, ben, à un moment donné, le besoin se fait sentir de vivre. Hein? Donc elle a dit, je pensais même que bon, j'avais besoin de faire mes enfants, tout et tout, on s'est croisés. Où elle était à la caisse de Sokossé là-bas, c'est là que ce monsieur là est venu, comme on dit ça, la draguer. Oh, oh, oh. Est-ce que les benguistes là, eux, ils disent dans drague, si les fans de toi là, oh, 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 pressé, pressé, ils ont fait mariage, elle a rejoint le monsieur. Elle dit que depuis que je suis arrivée ici là, l'impacteuse, le plaisir qu'on dit quand une femme vit en Occident là, moi je n'ai pas encore connu ça. Ça dit que les voyages, les trucs, on a les papiers, c'est pas pour dire qu'on peut pas voyager. Mais un jour, je lui ai dit, mais donc, j'ai dit que donc, ça fait 6 ans que tu es là-bas. Ça dit que tu es anglaise. Elle dit oui, elle est anglaise. Même pour dire qu'elle est en France, j'ai dit, ah, ma chérie. Elle dit, mais l'impacteuse, si je veux partir en France, moi, j'ai des amis là-bas, j'ai des cousines qui m'invitent là-bas. Je veux partir, c'est problème. Ah, tu veux pas venir ici? Moi, je n'aime pas les problèmes. Tu comprenais? Tu es en habit de Mac. Aujourd'hui, j'ai porté une Mac. Aujourd'hui, j'ai porté une Mac. Vous aimez à faire des... Vous comprenez? Ça, c'est ma soeur en Angleterre qui m'a offert ça. Elle m'a envoyé ça. Bon, un homme avec lequel tu vis, vous ne partez pas au restaurant. Tu n'as pas le droit de prendre, même on enlève même le TGV, les gros cars là. Tu n'as pas le droit de prendre les gros cars pour aller rendre visite à quelqu'un en France ou bien pour aller rendre visite à quelqu'un en Italie. Bon, ça là, on va dire que c'est quelle forme de mariage qui est là. Vous comprenez? Maintenant, demain, quand vous êtes avec ces femmes là, et puis maintenant, elle est toi dans la maison, hein,
Toi, tu te dis que non, je lui fais bien l'amour. Et puis, elle s'intéresse à quelqu'un. Je vous ai dit que affaire de foyer, là, c'est pas forcément le sexe. D'autres pensent que c'est le sexe seulement qui est... J'ai dit que le sexe, là, moi, le sexe vient derrière que certains besoins. Vous comprenez? Mais oui. Lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu l'as déjà fait? Elle dit, l'impact que j'ai parlé. Même les enfants, une fille qui aimait aller en boîte de nuit, tout et tout, elle s'est créée un réseau d'amis où elle travaille. Souvent, ses amis disent que non, on va garder l'enfant, on va garder les enfants pour que vous sortez un peu. Bref, c'est quelqu'un qui est casanier multiplié par 10. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le sexe en dernier, on aime le sexe, mais c'est pas le sexe que tu vas prendre pour dire que tu es en train de faire mon bonheur. Hein? Si tu veux utiliser le sexe dans le foyer pour dire non, comme je lui fais l'amour, je fais l'amour tous les soirs. Les femmes même n'aiment pas les affaires d'amour tous les soirs. Les femmes n'aiment pas ça. Amour tous les soirs, les femmes n'aiment pas ça. Il y a d'autres plaisirs qu'elles aiment, il y a d'autres priorités qu'elles établissent même à un moment donné dans le foyer. Vous comprenez? C'est le gars qui te drague dehors là que vous allez faire programme du sexe tous les soirs. Hein? Toi, je t'ai marié ou bien tu m'as marié kurka kurka tous les soirs. Si moi, tu as menti. C'est qui va te donner ce plaisir de tous les soirs? Je ne te donne pas ça tous les soirs. Hein? Donc si je ne te donne pas tous les soirs, c'est sur quoi tu comptes. Et puis on ne peut pas trouver nos plaisirs ailleurs. Et puis on va être toujours dans la maison pour manger les foutous, hein, les sangraines, hein, les queues de bœuf, tout et tout. Quand c'est comme ça, il n'y a même pas de petites salades au menu. On est en palabre, ben, salade. Si tu es en train de préparer salade, tu viens, tu déposes sur la table, là, comme le roi. Chérie, tu n'as rien fait aujourd'hui. Quand c'est quand il vient, il fait bizarre. Chérie, mais j'ai fait, il y a la salade, avec tous les crevettes. Il dit, d'accord. Quand c'est quoi, il dit, à la fois, enlever deux pains dans le frigo. Enlève deux pains, il faut chauffer deux pains pour moi. J'ai dit, ah, mais si c'est avec deux pains, c'est que c'est plus, ça, c'est plus léger maintenant. Hein? On va prendre manger un gros plat de salade avec la viande, avec des pains. On n'a pas mangé léger. Donc, autant manger le plat calou, le foutu, sans graines ou bien du riz. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un villageois qu'elle a marié. Nous tous là, j'ai dit, tu peux marier un villageois, mais il faut qu'il accepte que tu le façonnes un peu. Il y a des hommes là, eux, on ne peut pas les façonner. Hein? Il y a des hommes là, eux, on ne peut pas. Moi, je ne cache pas pour moi, je vous ai dit que mon mari mangeait africain. Est-ce que j'ai honte de ça? Il n'est pas honte de ça. Mais dans manger africain, là, il y a des jours aussi, là, je mets mon visage à moi le cas, et puis je dépose, je dépose les salades sur la table. En bris. Et quand c'est quoi, tu ne regardes pas dans le visage. Je ne regarde pas dans le visage. On va tourner quand on va manger. Maintenant, quand on a mangé les salades là, vers les 23h, là, salade là aussi, on commence à parler d'amour. Salade, c'est son affaire qu'elle a là. Ça ne dit pas dans le ventre. Il y a des fois, aller au frigo. Il y a yogourt là-bas. Il n'aime pas fromage. C'est-à-dire, fruits même là, on a fait palabre même pour que les fruits même passent dans l'estomac ici. On a fait du travail là-dessus. Mais pour que tu fasses du travail, il faut que l'autre soit réceptif. Si l'autre n'est pas réceptif, comment on fait? Il y a des hommes qui sont fermés. Hein? Il y a des hommes qui sont très fermés. Les activités, ça veut dire que familiales là, les sorties au restaurant, des trucs comme ça, tout et tout là. Mais ça fait partie de l'épanouissement d'un couple, non? Je crois que quand on fait nos impôts là, on vous demande combien vous mettez pour les activités, ça dit pour le restaurant, tout ça là, ça rentre dans les impôts, non? Quand on veut acheter les maisons là, on vous demande quel est votre budget pour les sorties familiales mensuelles. Donc ça veut dire que c'est important. Mais pourquoi on va vivre en Occident et puis on va jamais planifier? Je dis qu'un couple qui est responsable, un couple, quand on dit couple moderne, il doit avoir au moins un petit budget. Hein, de part, de quand on dit budget là, c'est pas toujours toi aussi tu travailles, mais c'est toi seulement. Ça dit que, comme on dit ça, c'est toi seulement qu'on invite. Il n'y a pas un jour, toi aussi, tu as te tromper pour dire, ah chérie, aujourd'hui je t'invite au restaurant. Un restaurant est cher, hein? Laissons restaurant et les buffets chinois. Tout ça, c'est pas restaurant. Hein? Restaurant, là, c'est sûr que quand vous partez dans un restaurant chic, tout et tout, souvent, vous pouvez sortir là, 100 et quelques ou bien 200 dollars. Mais les buffets, là, là-bas, c'est Zouzouawa, non? Même dans Zouzouawa, encore, on va pas là-bas. Donc, il y a problème. Hein? Dans Zouzouawa, là, il y a tout là. Le roi, lui, il aime les buffets. Il dit, chérie, là-bas, il y a beaucoup de choses. Toi, tes affaires de restaurant, on s'en va, les petits trucs, on envoie les factures salées, et puis après, tu n'as pas bien mangé, et puis c'est cher. Allons dans les, comment on appelle ça, dans les buffets. On va au buffet. Donc, ça dit
que deux enfants vous avez là-bas, là, on n'a jamais donné un petit plaisir familial aux enfants. Pour dire qu'on allait avec les enfants vont manger choco-choco dans les assiettes, les enfants vont jeter ici, d'autres vont manger les crêpes, avec les petits chocolats sur le visage. Genre, comme on fait avec les enfants en Occident, là. Ce petit plaisir-là, on n'a jamais donné ça aux enfants. Si ce n'est pas dans la maison. Ma boudou organisée, toujours dans la maison, comme on dit chez nous. Changer de mentalité. Changer. Avant, le COVID n'était pas arrivé. Quand le COVID n'était pas là, là. Oui. Il n'y a pas foutu dans un restaurant chinois, c'est ça. Quand le COVID n'était pas arrivé, bon, on pouvait programmer des sorties. Aujourd'hui, là, on est tous enfermés. Donc, si tu es un couple même, là, et puis aujourd'hui, là, tu réprimes, tu as dit que tu dois prier Dieu même pour que le COVID, là, ça passe, pour que vraiment, on puisse s'épanouir, les familles. Mais non, c'est pas ça. Aucun plaisir avec les enfants. Enfermé dans la maison matin, midi, soir. Ça, c'est le cauchemar de bon nombre de femmes africaines. Vous comprenez? Les femmes africaines, beaucoup souffrent dans ça. Il y a des hommes, ils ne veulent pas ça. Il y a des hommes qui ont même dans leur mentalité que non, manger qu'on mange à la maison, c'est ça qui est... Qu'est-ce qu'ils ont souvent tendance à dire même? Manger de dehors ne rassasie pas. Aïe, comment manger de dehors ne rassasie pas? Attends, toi, je te bloque. Richard Roby, tu veux que je te bloque là? Attends, pourquoi je lui demande même? Attends-moi. Bloqué. Merci beaucoup. On passe à autre chose. Manger de dehors ne rassasie pas. Mais quand tu as marié une femme là, toi-même, quand tu étais allé la voir au pays là, c'est ça, hein? C'est ce qui crée ce déphasage entre vous quand vous arrivez avec les femmes en Occident. Vous comprenez? Quand tu es allé là, tu l'avais vu comment elle était, hein? Elle travaillait, elle était bien. Maintenant, tu l'envoies en Occident. Pour toi, tu te dis non, tu l'envoies en Occident. Donc, le pari est gagné. Mais non, tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Hein? Elle avait la vie qu'elle menait. Maintenant, là, vous êtes dans un autre registre, c'est vrai. Il y a des, ça dit qu'il y a certaines choses qu'on doit éliminer. Mais je dis que les plaisirs, sortir, aller dans les restaurants, au moins. Même si vous voulez, dites une fois par mois, c'est pas mauvais. Une fois par mois au moins dans le budget familial. Oui, quand je parle de budget familial, parce que ça doit être inclus dans vos dépenses du mois. Tu allais, tu l'avais vu, elle était assise à ce côté là-bas en tant qu'une caissière, tout et tout. Elle t'avait plu, elle a brillé dans tes yeux, bien, bien, bien. Tu as pris l'enfant d'autrui, maintenant tu es venu, tu l'as déposé à moi, tu as fait deux enfants. Quand on parle non, toi au moins j'étais mariée, t'es déposé à la maison, mais tu m'as déposé à la maison et puis quoi? Et puis quoi? Parce qu'on a marié une femme, donc on peut plus. Ça dit que, j'ai dit qu'une femme là, ta femme là, elle doit être toujours, comme elle doit être, ça dit, elle doit être comme ton amante et puis elle est ta femme en même temps. C'est ça. C'est pas parce que tu as marié la femme, donc le côté où tu lui faisais des plaisirs ou bien vous faites des plaisirs quand vous étiez encore copain, copine, vous étiez go et gars, tout de suite on coupe ça. Moi je dis que ces gens d'hommes là, vous êtes des goujats. Ce sont ces gens d'hommes là. Quand demain le foyer est hypothéqué, ils vont pas faire une remise en cause. Ils vont pas se dire, mais je l'ai marié, ça allait bien, tout et tout. Mais écoute, il y a des signaux aussi que tu dois essayer de regarder. Surtout que cette femme-là, elle te fait asseoir pour te dire, ah, on ne sort même pas un peu. Quand une femme commence à dire, ah, là, tu crois que si demain, là, elle a eu quelqu'un où elle travaille là-bas, là, oh que oui. Hein? On cautionne pas l'infidélité, hein? Mais il y a des hommes aussi là, quand certaines femmes sont avec eux là, ils font pas un effort pour arranger la chose. J'ai dit que c'est pas parce que tu l'amour ou bien qu'elle va rester fidèle à toi, alors qu'il y a d'autres choses qui manquent. Où on est rendu maintenant là, tu dois faire un effort pour combler le package. C'est ça. On est rendu là. On est rendu là maintenant. Tu comprends? Hein, faut pas dire que non, je fais bien, et puis de l'autre côté, tu as négligé. Moi, j'aimerais ça avoir un homme qui, avec lequel je passe du temps, avec lequel je voyage, avec lequel je vais au restaurant. Et le comble, c'est que quand j'essaie de parler avec elle, même sortir avec les amis, c'est un problème. Mais tu ne fais pas sortir la femme. Elle ne peut pas se permettre de sortir avec ses amis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On veut se marier. Hein? On veut se marier. Mais dans mariage là aussi là, souvent, ça dit qu'il y a beaucoup de modèles dedans.
Oui, parce que moi, quand je regarde, quand je regarde, ça dit, c'est vrai, tu es marié, hein, mais parfois tu rentres dans des, ça dit, dans des mariages avec certains hommes, comme on les appelle, les hommes tombés au marché, là. Hein? Parce que si tu n'es pas tombé au marché, en 2021 où on est là, toi, tu vas marier une femme, ça fait 6 ans, tu vis avec elle en Angleterre, et puis tu n'es jamais allé au restaurant, tu es tombé au marché. Hein? C'est bien beau de dire, je l'ai envoyé ici. J'ai dit que le discours de je l'ai envoyé ici, là, c'est dépassé. Tu l'as envoyé. Comment tu fais pour l'arranger? Comment tu fais pour maintenir ce couple-là? C'est ça qui est important. Sinon, envoyé, là, on a envoyé beaucoup et puis ça n'a pas donné quelque chose. Vous comprenez? On a envoyé beaucoup ici en Occident, mais ça n'a pas donné grand-chose. C'est ça, les Yougos. Les en bas de manioc, comme dit la petite Lova Lova, en bas de manioc, c'est ça qui est là. Vous comprenez? Mais la prison, on va même pas dire prison dorée. Où est dorée là? Hein? Il n'y a pas doré dans ça. Ça, c'est pas doré. C'est quand on dit prison dorée, on te donne le confort, on te donne tout ce que tu veux, tout et tout bon. Et puis bon, peut-être il veut seulement que vous deux vous sortez, il veut pas te. Mais on dit qu'il ne sort même pas avec elle. Vous comprenez? J'ai dit, mais si lui, il ne veut pas sortir, parce que je connais aussi la mentalité de certaines femmes africaines. Oui, il ne veut pas sortir, tout et tout, mais les femmes aussi ne veulent pas faire un petit effort. Elle a dit que n'importe, je n'ai pas de problème. La fille, même quand tu la regardes, j'ai dit que c'est une fille même qui est hier, même, on a qu'à se dire même. Tu la voyais, moi, mais je suis une femme, hein, mais quand elle m'a envoyé ses photos, elle est zo, même, elle est au point même. Quand elle m'a envoyé le photo du mari, là, j'ai dit, ah, comme on a fait des mariages, j'ai dit, là, ma chérie, toi-même, tu t'es regardé, là, tu allais prendre un nyankoa, là, à quoi est-ce que tu t'attendais? Parce qu'il y a d'autres nyankoa, là, on ne peut pas les changer. Vous comprenez? Tu allais prendre le nyankoa. Maintenant, le nyankoa, là, lui, il est barricadé dans ses idées. Hein? Non, allons, on va rendre visite à mon ami. Voici sorti qui est là. Allons rendre visite à un ami. Moi, aller rendre visite à un ami, c'est ça qui est sorti. Si au moins je quitte ici, comment on appelle ça là? Mon quartier, ça dit, mon quartier où j'habite, et puis je mets dans une autre ville où on ne s'est pas vu, je peux dire oui. Non, c'est pas ça. Elle dit, mais on ne peut pas faire un petit truc. Non, c'est pas ça. Non, mais à qui on va laisser les enfants? Je dis que les enfants ne doivent pas empêcher un couple d'être épanoui. Les enfants ne doivent pas. Vous comprenez? On prend les enfants, et c'est ce qui fait que ça tue certains couples. Les enfants sont petits, il y a des plaisirs même que vous ne vous êtes même pas fait. Tellement on a tout concentré sur les enfants. Les enfants peuvent être petits, un jour là, on va prendre les enfants au moins, et ceux chez lesquels on vit là, ils ont les enfants et puis ils sortent, non? Tu peux prendre au moins un jour une gardienne, quelqu'un, tu vas venir au moins garder les enfants, ou brouiller, puis ou un peu, on va sortir un peu. Yeah! Comme dit le roi, yeah! Aucune sortie, jamais. Comment vous arrivez à vivre dans cette monotonie-là? Hein? Comment vous arrivez à... Quand même, on était encore en vacances ici, là, il y a des jours, le monsieur, même tellement il mettait trop sa bouche dans mon affaire, il dit, ah, mon cher, le confinement, là, n'a qu'à faire, ça va commencer, oh, toi, et pas... Quand on est trop côte à côte aussi, là, souvent, ça crée d'autres problèmes. Et à plus forte raison, un homme avec lequel on ne va jamais aller dans un restaurant, on va chuchoter un peu, chuchoter comme les enfants dans les restaurants, causer des vieux trucs, rire un peu. Il n'y a pas ça. On est toujours dans la maison. Moi, je suis contre ça. L'épanouissement des couples, là, ça, là, ça fait partie. Il y a des gens même, ils vivent ici, au Canada, ils sont ici avec leurs femmes. J'ai dit, comment on fait même pour aller à Sainte-Catherine là? On n'a jamais mis les pieds dans le centre-ville. L'été même, on dit, il y a festival de jazz. Il y a quoi? Est-ce que c'est parce qu'on aime le jazz qu'on va là? Mais souvent, le fait d'aller, tu vois qu'il y a de l'ambiance. On paye la crème glacée pour les enfants, tout et tout. Même souvent, même on fait festival africain ici, là. Ils vont même pas, donc c'est pas dans le jazz même, ils vont partir. La route de jazz même là, si ils vont là, c'est qu'ils sont perdus. Donc, toutes ces mentalités-là, c'est à revoir. Il est la femme au pays. Quand il la draguait au début, là j'ai dit qu'il y a d'autres hommes qui sont bons que pour être des amants. Il y a des hommes comme ça. Ils sont bons que pour être des amants. Il est bien que quand il est beau, égal. À tel point que quand il t'a marié, tu te demandes, mais est-ce que c'est le même homme-là? Ça dit, il y a d'autres hommes même là qui ne méritent même pas d'avoir une femme chez eux.
Parce que dès qu'il t'a marié, et puis les Africains ont cette mentalité-là, oui, c'est toi que j'ai aimé, donc toi au moins on t'a déposé à la maison. Voyez-vous? Toi au moins on t'a... Ça, c'est ça là, il y a beaucoup de femmes auxquelles on a dit ça. Toi au moins on t'a déposé à la maison. Donc ça veut dire que quoi? J'avais cru que le mariage, là, c'est deux personnes qui se sont aimées, et puis les deux personnes se sont mises ensemble pour former quelque chose de beau. Mais quand on va rappeler à l'autre que toi au moins on t'a déposé à la maison, ça veut dire que c'est un privilège qu'on t'a fait. Ah, c'est comme ça, c'est perçu. Ah, c'est perçu comme ça. Le fait que moi, on m'a mis à la maison, c'est un privilège qu'on m'a fait. Ça, c'est la mentalité africaine. Mm-hmm. C'est ça le problème. Il te draguait, hein? Quand vous étiez go égal, là, pas t'as le direct, mes personnes. Vous étiez go égal, là, les poissons, la braise, les quoi, mais jamais. Il y a des femmes même là, le temps qu'elles étaient enceintes, elles attendaient tout leur bébé là. Elles n'ont aucun souvenir extérieur avec leur mari, si ce n'est pas dans la chambre seulement. Alors que ta femme est enceinte là. Combien d'hommes, si tu vois un homme en Afrique qui envoie sa femme dans un restaurant, si tu les vois, à part les jeunes couples, peut-être comme j'appelle les jeunes premiers, quand tu les vois, tu sais que bon, le couple même, tu les vois, ils sont... À part ça... J'ai dit que les Kwadjego que je vois là, hein, les hommes Kwadjego là, ça dit que prendre femme enceinte, aller avec elle au restaurant, en Afrique là-bas, dans Maki, pardon, on peut les compter au bout du doigt. Et ce sont ces mentalités-là, quand ils voyagent là, hein, quand ils se déplacent là, ce sont ces mentalités-là qui transcendent là où ils sont. Sinon, comment tu peux comprendre? Ce monsieur-là a vécu déjà 9 ans, et puis elle est venue le trouver là, et ça fait 7 ans, ils sont ensemble. Comment tu peux comprendre qu'un homme qui a déjà vécu 9 ans et qui reçoit une femme à laquelle ça fait 7 ans, 2 enfants, jamais un pied au restaurant, comme s'il n'est pas là, ben, les restaurants là-bas. Si on ne t'a pas amené au restaurant, c'est un voyage qu'on va organiser pour toi. Ça, si on t'a fait ça, c'est que vraiment on t'a mis sur, ça dit sur un certain sommet. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Vous comprenez? Qui est vous? Tenez encore, je suis là. C'est fini là, j'aime trop ça. Vous comprenez? Si tu vois qu'ils sont bien, bien dehors, tu le vois bien, bien dehors à une femme là, c'est que c'est un deuxième bureau, c'est que c'est maîtresse. Il y a des femmes même, il y a des hommes, ils sont avec des femmes là. Ça dit que parce qu'on dit non, ça dit eux aimer la femme, c'est que chaque année elle est enceinte. Il y a des hommes comme ça. Chaque année, elle est enceinte. Donc, ça veut dire qu'il aime sa femme. Vous comprenez? J'ai déjà fait une vidéo précédemment. J'ai dit, toi, la femme aussi, tu travailles là. Oui, tu travailles. Hein? Cet homme-là, tu le vois que bon, c'est pas quelqu'un qui est à bas, c'est pas quelqu'un qui est près de ses sous, comme on dit au Québec. Mais, de temps en temps, tu peux faire des plaisirs. Les Africains... Quand on les voit aller à l'hôtel, hein, à part des couples à part, hein, on va les compter même au bout du doigt. Sinon, quand tu vois Africain aller à l'hôtel avec femme, c'est que c'est copine, avec copain. Sinon, il va se dire que non, je vais laisser le nid pour aller à l'hôtel. Mais quand on va à l'hôtel là, c'est le changement de décor. Tout ça, ça peut apporter un petit plus. Mmh. Juste quitter votre maison où vous avez laissé le riz et la sauce graine congelée au frigo et puis vous êtes parti quelque part où vous changez là, ça peut apporter, ça dit un certain sentiment. Vous vous sentez à l'aise comme ça. Mais si tu vois les Africains se suivre dans les hôtels, monsieur est dément, madame est dément, c'est copain, copine. Sinon, femme qui l'a mariée, il peut même se tromper pour l'envoyer à l'hôtel. Vous comprenez? Il faut que ces mentalités la changent. Comprenez, changeons de mentalité. C'est valable pour les femmes. Tu peux donner aussi un petit exemple à ton mari. Hmm? Tu peux donner l'exemple à ton mari pour dire, je vous ai dit que l'homme avec lequel je vis, c'était un homme qui est casanier au départ. Il était très casanier, il sortait pas, il n'aimait pas. Je lui ai dit que mon cher, moi, je suis, ça dit que comme on dit, moi je suis nyanyere. Je ne peux pas mener une vie où on reste cloîtré. Soit tu embarques avec moi, ou bien tu restes là. Clair! Finalement, il a embarqué aujourd'hui, même il a eu la piqûre, même des voyages plus que moi. C'est juste le Covid qui nous a retardés.
Mais quand même, les restaurants, tout et tout, c'est des choses. Il aime son fouteau et son grain, hein. Il aime sa nourriture africaine bien. Mais quand on sort, il fait plaisir. Il aime les sorties. Sorties familiales seulement, il a toujours aimé ça. Moi, c'est le fait que vous vivez en ville. Vous vivez en Occident. Et puis jamais, la femme que tu as mariée, tu vas sortir avec elle. Je dis qu'emmener vos enfants à l'hôtel, à comment ça, dans les restaurants, ils vont se gribouiller de manger comme les gens où on vit là. Amenez-les un jour là-bas. Les petits bébés de 1 an là, amenez-les. Et puis on va les traiter comme des princes dans les restaurants aussi. Ça dit, donnez ce plaisir-là aux enfants. Faut pas que toujours ça soit dans la maison. Ces femmes-là, quand vous les envoyez, c'est pour ça qu'elles sont avec vous dans les foyers. Mais elles entretiennent d'autres relations dehors. Parce que tu l'envoies, mais il y a une cassure. Tu comprends? Il y a une cassure. Ouais, hein? C'est vrai, tu m'as marié. Mais il ne faut pas que... Ça dit que toi, l'homme avec lequel elle vit là... Oui, c'est vrai, tu l'as marié, hein? Mais il ne faut pas... Ça dit, fais de telle sorte que ça dit, sa vie passée là, ça ne soit plus dans son quotidien. Mais vous mariez les femmes, elles sont dans les foyers et puis c'est la vie de dehors là, c'est à ça qu'elles pensent. Elle est là et puis elle soupit seulement. Ah, mariage dont on a parlé là, c'est ça qu'elle a. Mariage là aussi, oh. Donc c'est mariage là qu'elle a. Quand une femme commence à se remettre en cause là, mon cher, quand son ex va apprendre qu'elle est en Angleterre là-bas là, l'ex aussi là, j'ai dit qu'aujourd'hui là, tout le monde est menacé. Les femmes qui sont dans les foyers sont menacées par ceux qui sont dehors. Les hommes aussi, vice versa. Donc chacun doit entretenir pour lui. On est rendu là, tout le monde est menacé. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que je suis ma femme, je ne suis pas menacé, ou bien je suis mon mari, tout le monde est menacé. Donc toi, tu es pour toi. Tu l'as enlevé, elle était dans son confort, tu l'as marié. Mais demain, quand on va te tromper, hein, je dis ça, ben, quand on va vous tromper demain, c'est toi qui vas dire que non, les femmes d'aujourd'hui, elles ne connaissent pas tant. Mais oui, parce que tu as coupé quelque chose. Elle a marié un villageois qui ne veut pas s'ajuster. Comprenez? C'est la vérité, il dit. Tu as bien été. Ça dit que la femme, même quand elle a quitté sa vie antérieure, et puis elle est son mari, elle est bien tout et tout, elle se sent très épanouie dans son foyer là-haut. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie dehors encore? Elle a cet homme-là qui a joué. Elle a cet homme-là qui fait un effort. Mais non, il y a des hommes là. Eux, on ne peut pas changer. On ne peut pas faire quelque chose pour eux. C'est normal que tu aies une femme et puis qu'elle ait des amis. C'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher. Tu as dit tu es un homme et puis toi, tu empêches la femme d'avoir des amis. Mais ça, c'est quel modèle ça? Non seulement tu ne sors pas avec moi, tu m'empêches de sortir encore avec mes amis. Ou même tu m'appelles, elle a dit que toute notre vie, c'est au téléphone. Si on a fini de manger tout et tout, que chacun se positionne sur le téléphone là. On est sur le téléphone jusqu'à... Et puis maintenant, on s'en va se coucher pour remplir le devoir conjugal. 7 ans, 6 ans en Angleterre. On n'a jamais mis pied dans un café. On n'a jamais mis pied dans un bistrot. On n'a jamais mis pied dans un restaurant. Vous voyez? Et quand demain ça va arriver, c'est à qui la faute? Ajustez-vous, monsieur. Il n'y a pas quelqu'un qui est né hier. Ou bien il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise tout. Tu vis avec une femme ou bien un homme. Ça dit, il y a un ajustement à faire à un niveau. Mais c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas changer les êtres humains. Mais il y a des, ça dit qu'on peut essayer de s'accommoder. Mais si tu vis avec quelqu'un même qui refuse de s'accommoder. Vous comprenez? Merci beaucoup. C'est ça qui est la vérité. Mais il empêche de s'épanouir. Si tu m'empêches de sortir avec mes amis, oui, toi tu ne sors pas avec moi, mais tu vas m'empêcher encore de sortir. Sous prétexte que tu sors, qui va garder les enfants? Mais j'ai toujours dit, la femme peut sortir, l'homme va garder les enfants. J'ai été clair à ce sujet-là. Si toi tu n'as pas envie de sortir, qu'aujourd'hui je veux sortir avec des amis, ben, tu peux garder les enfants. C'est pas écrit quelque part que c'est la femme seule qui doit garder les enfants. Vous comprenez? C'est malade, c'est ça. Mais il a peur de dépenser, mais il a peur de dépenser, mais il paye les bonbons mangés pour la maison. J'ai dit que foutu, elle son graine là, ça coûte plus cher que les salades. C'est ce que j'ai dit.
Mais les bons pour manger les queues de bœuf. Queue de bœuf, tu soulèves un ici, là. On te dit 20 dollars. Vous comprenez? Mais où elle est en train de se plaindre, là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se préparer. Et quand vous êtes avec vos femmes, et puis elles se plaignent, là. Il faut que vous les écoutez dans les maisons. C'est valable aussi pour la femme. Tu es avec l'homme, il se plaint de quelque chose. Il se plaint de quelque chose, mais il faut améliorer. On est là pour les deux camps toujours. Vous comprenez? Où on est rendu là, on n'est plus au temps de Simon Templar. Pour que quelqu'un va venir, ça dit que le temps ancien, temps rétrograde, là, on n'est plus là pour ça. Ça, c'est l'époque ancienne. Vous comprenez? Tu l'empêches de sortir, tu l'empêches de faire tout en Occident, tu l'envoies. Ça dit que, comme elle dit, oui, une flexibilité intellectuelle. Ça dit, il faut que les gens assouplissent un peu la façon de voir les choses. Vous comprenez? Nous tous, on est des villageois. Maintenant, si tu voulais être villageois là-haut, mais même celle que tu es partie chercher au campement, toujours je le dis. Supposons qu'elle n'était même pas à la caisse de Sokossé et puis il l'a rencontrée. Celle-même que tu t'en cherchais au village et puis tu l'as envoyée là. Mais quand ses yeux aussi vont s'ouvrir là, vous comprenez? Mais quand ses yeux même vont s'ouvrir là, mais elle aussi, elle peut, c'est-à-dire, elle peut devenir même un danger pour toi-même. Elle-même encore, même, c'est grave. Donc, tout ce qu'on demande là, c'est essayer de s'ajuster ensemble. Vous comprenez? Ça a été dit que bon nombre d'hommes africains, c'est-à-dire que ne sortent pas comme ça avec leurs femmes. En Occident, moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ça. En Afrique, encore même, bon, en Afrique, on a toujours privilégié celle qui est dehors. Pour l'Afrique, là, c'est ça. Oui, peut-être les jeunes couples maintenant, les jeunes familles, quand on les voit, les familles fixes là, bon, eux, ils sortent ensemble. Mais sinon, on a toujours privilégié celle qui est dehors par rapport à la femme qui est à la maison. Ce qui a fait que longtemps, certaines femmes même, n'ont jamais voulu comme s'engager comme ça dans un foyer. Elles ont toujours voulu la vie de dehors. Et puis après, bon, ça a fini par les rattraper aussi. Vous comprenez? Donc, chacun doit revoir. Hein? Chacun doit revoir. Il n'y a pas une femme aussi qui veut dire qu'elle a marié quelqu'un et puis elle ne veut pas se faire plaisir avec cet homme-là. Les hommes, comprenez ça. Je suis une femme et puis je vous parle. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas ça. Quelle femme qui n'aime pas? Vous comprenez? L'affaire des enfants sont petits. Les enfants, à cause des enfants, ce n'est pas un argument. Oui, c'est vrai, si les enfants sont petits, que vous ne pouvez pas. Mais nous, le temps qu'on avait fait le tour des États-Unis, on partait là. Il y avait des familles qui étaient avec des enfants, des jeunes enfants avec nous. Vous comprenez? Mais au moins là, si vous pouvez vous organiser pour aller au restaurant, pour sortir, mais vous pouvez prendre une gardienne pour venir garder les enfants. Vous la prenez? Ici au Canada, les gardiennes là, tu peux regarder ses antécédents. Hein. Vous savez qu'il y a un site qui est là. Ce site-là, si vous voulez, je peux vous le donner. Où il y a tous leurs antécédents, comme on fait, comment on appelle ça, Amigo Express, là, pour les chauffeurs, là. Le site est là, tout. On a leur dossier criminel, tout. Donc, la fille qui vient garder chez toi, tu as déjà ses antécédents. On peut se faire ça pour se faire plaisir un jour. Non. On ferme dessus. On voyage avec les gosses. On voyage bien avec les enfants. Tout ça aussi, ça fait partie des souvenirs des enfants. Vous comprenez? Il y a des familles où les enfants n'ont rien à raconter, même durant les vacances. On leur dit de venir raconter leurs vacances, comment les vacances se sont passées. Il n'y a pas Chokoya, il n'y a rien à raconter pour les enfants. Il y a des familles comme ça. L'été arrive là, il n'y a rien qui est planifié pour les enfants. On laisse les enfants, ils sont là, rien n'est planifié. Tout et tout. Chaque été, là, on doit planifier au moins des activités pour les enfants. C'est pour ça qu'on vous donne les allocations. Tout ça, ça est dedans. Hein? Quand je vous parle du globe, ça dit que du développement global de l'enfant, là, il y a allocation, tout ça dedans. Vous comprenez? Mais non,
Il y a d'autres qui sont même au Canada ici pour dire que on va se lever un jour avec les enfants pour aller là-bas, là, comment on appelle ça, à Ottawa, visiter le Parlement. Vous comprenez? Visiter le Parlement d'Ottawa, jamais. On ne va jamais se lever. Pourtant, on a deux voitures, hein. Mais on ne va jamais dire, bon, cet été-là, on va se programmer, on va aller visiter, comment on appelle ça, les chutes de Niagara. Tu entends tes amis, eux, ils vivent en famille, ils ont dit, l'été passé, ils sont partis aux chutes de Niagara. Et puis, ça dit, on est là. Parce qu'on est en train de construire les châteaux en Afrique. Moi, voici des comportements dans lesquels je ne me retrouve pas. Tu peux comprendre que ça fait au moins 10 ans. Ça fait 15 ans, je dirais. 15 ans même, vous êtes ici. Ça dit que eux, leur passeport là, ça sert qu'à aller à Abidjan. On ne va rien planifier. Mais comment vous faites et puis vous... Ça dit, moi, tout ce qui m'empêche peut-être de voyager comme ça, c'est le temps qui me manque. Ça dit aucun sens des découvertes. Vous dites, mais là-bas, là, on parle de ça. Je vis ici. J'ai vu au Canada, il y a des sites touristiques. Jamais rien planifié. Ils font ça, ils mettent les enfants dedans. L'été, les enfants sont là. Ils commencent à se tourner les pouces dans la maison. C'est les jeux vidéo, les téléphones. Ils sont sur le téléphone à tout moment. Non. L'été, il y a deux étés quand on était parti à chose. Le monsieur a dit, il travaille, il est, comment on appelle ça? Il était informaticien web. Il faisait de l'informatique. Oui, informaticien web. Il a dit, il travaille tellement trop que cet été-là, il a décidé d'arrêter, stop. Il a pris les enfants, ils étaient comme trois enfants avec la femme. Et puis, il est parti faire le tour du Canada avec nous. On avait visité comment, 5 provinces à cette époque. Planifier des choses. Quand vous revenez de là, vous avez des souvenirs à raconter. Ça dit que ça solidifie le couple encore. Rester dans la maison, ça dit que juste manger là, c'est pas ça qui fortifie le couple. L'esprit est clos. Merci beaucoup, Myrta. Vous comprenez? J'ai vu le message de la dame ce soir. J'ai dit oui, mais relaxe un peu. Essaie de te relaxer. Le COVID va passer. Quand le COVID va passer, tranquillement peut-être, tu vas essayer de relancer encore le sujet. Il faut que tu relances le sujet. Parce que c'est important pour toi. Elle dit c'est trop important pour moi. Vous comprenez? J'ai dit, mais malheureusement, tu as marié un villageois, ben, il va falloir dealer avec. S'il ne veut pas changer, qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu ne veux pas changer, là, elle va s'attraper quelqu'un dehors. De temps en temps, elle va organiser les petits, c'est-à-dire, elle va aller se faire son petit plaisir avec lui. Oui. Elle va aller se faire son plaisir avec lui. Qui n'aime pas les bonnes choses? Tu penses que, ouais, elle est là, si elle a eu un gars dehors, là-bas, là, qu'il apprend qu'il la voit dans des coins, qu'il la voit. Mon frère, j'ai dit, elle va maintenant établir un calendrier. Elle sait pour tromper quelqu'un en Occident, c'est compliqué. Ici, c'est pas compliqué. Hein. C'est en Afrique, l'infidélité est un délit. Ici, l'infidélité n'est pas délit. Allez regarder dans les délits criminels, il n'y a pas infidélité dedans. Je vous dis ça, Hora. Infidélité n'est pas délit en Occident. Vous comprenez? C'est pas parce que j'ai été infidèle à toi que quand on va faire les trucs partage, je vais pas avoir mes biens ou bien on va te donner les enfants. Et toi, tu es fidèle. Ça marche pas comme ça. Je peux être infidèle et puis être une bonne mère. Je vous dis ça, Hora. Il a dit que ce que vos cerveaux ne veulent pas entendre, c'est ce que moi, il met dans ma tête. Donc, au lieu que tu te retrouves à une femme qui va te cocufier là, qui va te tromper là, mieux vaut essayer d'arranger pour que ton couple aussi soit bien. Vous comprenez? Imagine-toi, tu envoies une femme et puis, ça dit, moi, c'est le fait que, ça dit, on ne fait pas l'effort d'entretenir cette flamme-là. Il faut entretenir la flamme. La façon dont tu l'as vue et puis elle t'a plu. Elle était bien. T'entends, entretiens cette flamme-là. Quand vous travaillez, à un moment donné, stoppez un peu, respirez un grand coup. Le monsieur en vacances, le monsieur, il est en vacances ici. Hier, il dormait. Oh, gars, lui, il a donné les disponibilités. Tu as travaillé depuis COVID jusqu'à maintenant, c'est vrai. On n'a pas de vacances planifiées, mais... J'étais là quand j'ai vu son téléphone sonner. C'était le travail. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rêvé. Il se réveille le matin. Hein?
Mais on m'a appelé chérie, j'ai dit oui, on t'avait appelé, mais je t'ai pas réveillé, parce que je voulais que tu te reposes. Oui, mais je voulais aller, j'ai dit oui, je savais que tu étais intéressée pour aller travailler, mais pense au moins à toi. Il n'est pas parti. Vous comprenez? Ahmed Selby ou bien quoi, je ne vais même pas aller lire ton commentaire, parce que déjà je connais la mentalité. J'ai dit que tu es en Occident, tu vis avec la femme, tu ne la fais pas sortir, tu vis avec elle dans les 4 mètres carrés, alors que elle là, tu l'as vu comment elle était, c'est comment elle était là qui t'a plu. Mais le problème c'est que quand vous partez en Afrique là, vous prenez pas les Niakois pour venir avec elle en Occident. C'est les femmes qui sont de oh là là que vous prenez puis vous les envoyez ici. Est-ce que j'ai menti? C'est les femmes qui ont Niakois là, les femmes bien, les femmes présentables, les femmes qui s'habillent, qui sont... Les jeunes filles, même si elles ne travaillent pas, qu'elles sont chic chic là, c'est elles que vous prenez pour moi en Occident. Ou bien j'ai menti. Je n'ai pas menti. Sinon, tu allais partir au village pour prendre celle qui est au village. Mais vous prenez celles qui sont bien. Elle est présentable. Tu es le Benguis. Tu es arrivé. Oui, tu es le Benguis. Tu es arrivé. Tu sois avec elle partout. Tu es fier de la brandir partout. Mais la façon dont tu étais en copain, copine avec elle au pays, et puis tu étais fier de la brandir là. Mais il faut la brandir comme ça en Occident. Tu ne l'as pas enlevé en Afrique là pour venir la garer ici. Pour venir, ça va être le travail, le travail, le travail. Aucun entretien du couple. Elle est sortie là. Font partie de l'entretien d'un couple. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc vous venez pleurer. Oh, on m'a fait ci, oh, on m'a fait ça. Oh. C'est pour ça que pour éviter les pleurs là. Ben, récemment, on avait vu un monsieur, je l'ai mis à l'école, j'ai fait tant, 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 tu l'as mis à l'école, là, et après l'école, là, quand vous étiez dans le couple, comment tu étais? Hein, c'est ça. Vous brandissez ces femmes-là comme des trophées. Maintenant, tu arrives avec elle en Occident, tu te dis non, le pari est gagné. C'est ici même que tu dois entretenir ça. Donc, quand vous travaillez là, planifiez une activité après le COVID-19. C'est drapeau, Erika, c'est drapeau. Planifiez les activités. Vous comprenez? C'est parce que le COVID est arrivé, le tourisme même a pris un coup. Sinon, pour partir aux États-Unis, là, tu quittais ici pour aller aux États, là. Ça dit, vous n'avez même, je vois des gens, non, nous, on ne connaît personne aux États. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour aller aux États. Est-ce que tu avais besoin de connaître quelqu'un? Tous ces voyages dont souvent je vous parle là, on n'a jamais dormi chez quelqu'un. On dormait à l'hôtel, c'était des voyages organisés. Pourquoi j'aime les voyages organisés? Ça t'empêche de conduire tout et tout. Et puis bon, ils vous font visiter beaucoup. Alors que quand vous prenez votre voiture personnelle, oui c'est vrai, on est allé aux États, plus à New York avec la voiture, mais c'est fatigant. C'est trop fatigant. Donc allez plus dans les voyages organisés quand le COVID va finir. Vous tapez sur Internet les voyages organisés, il y a plusieurs compagnies. Vous voyagez, vous faites le tour. Ça vous fait découvrir beaucoup de coins. Parce que le problème, c'est que quand on voyage et puis on va chez des amis, je parle de, par exemple, pour nous qui sommes au Canada pour aller aux États, quand on va chez des amis, eux aussi, ils sont fatigués, c'est pas facile pour eux. Un ami ne peut pas aller te faire visiter une ville, je prends comme New York, il peut pas aller te faire visiter la ville comme si vous faites un voyage touristique. Donc, allez plutôt du côté du tourisme. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça. On ne peut pas venir, on peut pas vivre en Occident et puis on va vivre cloîtré. On ne peut pas vivre en Occident et puis on va vivre comme si on était au campement. Vous comprenez, hein? C'est très important. Vous comprenez? Partagez-le direct, mes personnes. Partagez-le. Vous comprenez? Ça, c'est la souffrance de bon nombre de femmes africaines. C'est parti de depuis le pays. C'est pas ici. C'est depuis le pays. Vous comprenez? C'est depuis le pays. Quand que ils ont gardé cette mentalité-là. Voilà. Mais quand vous voyez vos amis et puis ils sont épanouis tout et tout là, mais pourquoi vous rentrez pas dedans? Pourquoi vous faites pas un petit effort?
J'ai dit que c'est où tu vis là, c'est là que tu passes. Ça dit que tu passes la majeure partie de ton temps ici. On n'a qu'à dire tout ce qu'on veut. Ça dit qu'on veut vous faire encaisser, qu'on veut... Oui, quand on va en Afrique, on a du plaisir. Ça, c'est clair. Il n'y a pas... C'est indiscutable. Mais on va combien de fois? Ah bon, Las Vegas, c'est d'où aller là? Trop de go dans les rues. Puis là-bas, vous avez une belle température. Comprenez? Moi, je suis contre ça. Je suis contre cette façon de voir les choses-là. On n'est pas dit de faire dans la démesure ou bien de faire dans l'excès. Non, 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 non. On n'est pas dedans. On est venu quand même pour se réaliser. Mais ça dit que planifier des vacances familiales, là, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça fait partie de, ça dit que de l'épanouissement d'une vie de couple. Ça, c'est clair. Ça, là, si vous avez de la difficulté à comprendre, là, quand on calcule tous nos trucs d'impôts ici, tout ça là, les activités familiales, les sorties, les restaurants, on met dans les impôts aussi, non? On demande ça dedans, non? Non, ça dit que c'est quelque chose qui est important. Vous comprenez? Non, mais c'est le fait qu'on dit non, je suis ici n'est pas mon pays, je suis pas venu ici pour dépenser, ça dit, on voit ça comme du gaspillage d'argent. Non, c'est pas du gaspillage. Voyez pas ça comme le gaspillage, voyez ça comme quelque chose qui est bien pour, ça dit qui est essentiel pour le bien-être de notre couple. Ça dit qui est essentiel même pour notre couple, je dirais. Vous comprenez? Ah! Vous, c'est ça? Voyage organisé, quand tu parles là, c'est ça, ils économisent pour ces produits. Tu comprends? Tu peux comprendre que ça fait des années, tu es ici. États-Unis, des gens même rêvent, ceux qui sont en Afrique rêvent de partir là-bas. Toi, tu vis ici, même pour dire qu'un jour, tu allais te promener là-là. Jamais. En fait, Bou, c'est Abidjan. Bou, c'est Abidjan. Vous comprenez? Donc, apprenez à organiser les sorties en famille. Parce que les sorties en famille, là, c'est quelque chose qui est bien pour l'épanouissement du couple. C'est clair. Ça aussi, pour parler comme on a souffrance dedans encore. Depuis l'origine, on a toujours mis les femmes au second plan. On s'est dit non. Si on t'a marié, mais toi-même, tes amis vont te dire, il y a des femmes qui étaient, c'est ça, c'est pour ça que souvent, moi je vais répéter ça, c'est ça que les infidélités, les trucs, ça ne vont pas finir aujourd'hui. Parce qu'elle était dans un move. On va dire, non, toi au moins, il t'a gardé à la maison. Mais tu savais comment elle était, tu savais que c'était une fille qui aimait, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit avec son mari. Aïe, donc on est marié là, tu m'as connu là, j'allais en boîte, on passait du bon temps. Quand on était go et gars, on partait en boîte de nuit. Et puis aujourd'hui, on ne va plus en boîte. On ne va plus danser parce qu'on est marié. Voyez-vous, hein? C'est ça. On ne va plus aller danser parce qu'on est, on est marié. Voyez-vous? C'est... C'est ça. Allez, vous comprenez? Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie. 10 ans en France, 15 ans en France, jamais une petite salade autour de la Tour Eiffel. En bas, on monte jamais, on reste juste à côté. Ou bien on visite seulement. Monsieur et madame, vous allez travailler, vous travaillez un jour là, relaxez. On relaxe aujourd'hui. C'est valable pour la femme. Chérie, aujourd'hui, là, on va sortir. Ça dit, tu insistes comme quelque chose que tu es tanné, quoi. Chérie, aujourd'hui, on sorti. Ouais. Jamais une petite salade au bord de la Tour Eiffel. Jamais. On passe et puis on regarde. Ou bien si on dit quelqu'un est venu de passage en France. C'est lui, on va prendre pour aller à la Tour Eiffel. Vous, on passe, hein? On regarde seulement les gens. C'est ça.
Dis à ton mari un jour, chérie, aujourd'hui, on va sortir. C'est vrai, hein, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, on va sortir. Mets-toi un peu devant aussi, la femme. Peut-être que de cette façon-là, tu as essayé de régler le problème. Mais celle dont je vous ai parlé, là, notre sœur qui a convaincu, là, elle a dit qu'il n'est même pas prêt pour ça. Vous comprenez? Il n'est pas prêt pour tout. Donc, quand tu as quelqu'un qui n'est pas prêt comme ça, là, c'est pas facile aussi. Pas tailler mon direct, mes personnes. Allô, Kala? Salut, ça va? Ouais, ça a bien été? Ouais, ça. Ouais, c'est bien. Oui, papa. La monotonie tue le couple. J'ai dit la monotonie. Oui. Pourquoi vous riez? La monotonie tue le couple. Je ne sais pas comment vous faites pour vous sentir à votre aise dans cette monotonie-là. Comment vous faites? Pourquoi il rit? C'est ça. On restait dans cette monotonie-là. C'est non. Notre manger est bien doux. Ça, c'est clair. Mais quand on sort et puis on va au restaurant, là, très souvent, ce n'est pas la nourriture, mais c'est l'ambiance qui vient avec. C'est le décor qui a changé, là, qui va faire une différence. Si l'on mangeait quand on prépare, souvent quand on va dans le petit déjeuner en famille, là, tout ce qu'on fait petit déjeuner, on peut faire ça à la maison. D'expliquer un peu les voyages organisés. Les voyages organisés, c'est les compagnies. Excusez-moi, c'est des compagnies de généralement, il y a les compagnies québécoises, il y a les compagnies chinoises, mais c'est actuellement avec le COVID, c'est fermé. D'abord, c'est moins cher, tu choisis ta destination. Ils font les États-Unis et le Canada. Donc, vous faites le Canada. Le Canada, on avait parcouru 4 villes. Le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et puis Halifax. C'est comme ça que j'ai visité ça, tranquille. Et puis, ça ne coûte pas cher. Vous partez avec la famille, tout est inclus, mais seulement que les activités là. Ça va? Oh, tu as prévu quelque chose pour moi? Oh, t'es donc même cute. Oh là là, je sais que tu ne veux pas te faire voir là. Oh, c'était à moi? Oui, c'est ton cadeau que je t'ai acheté. Oh my God. Les amis, envoyez des cœurs. Wendy m'a fait un cadeau. Oh, c'est donc bien cute. Je ne m'attendais pas à ça. Viens faire un câlin et puis tu vas leur dire allô. Ouais, tu viens de l'école. Oh, t'es donc bien cute. Viens, passe derrière moi, tu vas faire allô. Tu fais attention. Oh, les amis, envoyez des cœurs pour Wendy. Je leur ai dit de ne pas se fatiguer cette année pour les cadeaux, mais elle a fait quand même. Oh là là. Fais allô. Ah là là. Merci beaucoup. T'es dans mes cute. Je vais ouvrir ça après. Mais tu sais que je vous mets là. Comme je veux. Bon. Ah, c'est gentil. Oh. Merci. Je sais pas. Ah oui, t'as pris ça avec ton argent? Waouh. Oh. C'est gentil. Oh. Oh là là, quand ça vient de ton enfant là, my goodness, les bijoux, oh là là, ça va faire des chaînes, ok Z, oh là là, la fille de Z, hein. Oh là là, bon, c'est gentil, oh là là, c'est très gentil, avec une petite, oh là là, c'est donc bien cute, oh je m'attendais pas à ça. Ah ouais? Mais comment tu savais qu'ils allaient livrer aujourd'hui? Parce que je l'ai commandé avant. Il y a longtemps que tu avais commandé? Ah, deux jours, trois jours et puis c'est arrivé aujourd'hui? Oh. Bon, on va partager ça avec les impactés. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, est-ce que... Oh, merci pour les cœurs. Je ne m'attendais pas à ça, c'est une surprise. Mais est-ce que tu es arrivé que j'avais fini le direct? Tu allais me donner après. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, pour faire le nyaman koudji. Ah, merci. C'est vraiment ça? Oh là là.
une photocopie de papa. Merci beaucoup. On pense qu'elle me ressemble, mais... Mm-mm. Oh my God. Tiens ça, ma chère. T'es donc cute. Ok. Et on dit que ça peut faire le yaourt couillé, ça peut écraser le gingembre. Mm-hmm. Oui, oui, passons, c'est costaud, là. Oh, ouais, c'est vrai. C'est gentil. Mon Dieu. Ah oui? Bon, c'est ça. Comme j'aime le gingembre, je me plaignais. J'ai dit, ah, moi, je suis fatiguée. J'ai arrêté à faire le gingembre, là, ici. Oh, c'est gentil. T'es dans mes films. C'est gentil. Merci beaucoup. Mes amis, merci, merci, c'est gentil. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Eh, ouais, dis ton petit agent de travail là. Ah là là. Ouais, vous comprenez. Merci. Oui. La grande salle, écoute, chez... oui, mais merci, merci pour les cœurs. Oui, mais la grande salade là, c'est pour manger un peu. Ouais, Wendy est la meilleure. Il t'envoie des cœurs. Il t'envoie des cœurs. C'est gentil. Oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai deux bœufs. Merci, c'est gentil. Elle y a deux bœufs au pays. Au pays. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Vous êtes très gentil. Vous êtes gentil. Kala, merci. Ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Merci. Tout le monde te dit merci ici. C'est gentil. Si toute la chaîne avec ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah oui, donc quand je me plains là, ça vous dérange, hein, toi et ton papa. Bon. Donc oui, je vous parlais des voyages organisés. Oui, votre bébé Wendy, très discrète. Très discrète. C'est gentil. Donc, comme je vous disais, les voyages organisés. Du Wendy Ayoka. Les voyages organisés, c'est ça. Donc, on fait ça à New York. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué pour le Canada. New York, pour partager le direct, les amis. Je veux que les Africains, vous bougez un peu après le COVID ici. Surtout au Canada, en Europe. Oui, Kala, on te fait plein de bisous. Tous mes impactés te font un bisou. C'est gentil. Oh, Chris aussi, depuis Laval. Oh là là, c'est gentil. Ouais, parce que je m'y attendais pas. J'ai dit que non, avec COVID, pas rien cette année. On veut pas, on veut rien là. Et puis bon, elle a fait ça. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Ouais, elle est tranquille. Mais quand elle veut parler aussi, elle parle. Elle parle, ouais. Ouais, c'est gentil. Oui, pour le jus. Merci, ouais, merci. Oui, donc comme je vous disais pour le Canada, je vous ai expliqué pour les États. Pour les États, vous les compagnies, quand le COVID va finir, ils vont ouvrir, ça c'est clair. Parce que tout le monde veut sortir. Moins cher. Ils nous font ça. En fait, il y a des tours. Tout dépend des circuits. Il y a pour New York. New York, vous partez, vous visitez la Statue de la Liberté. Vous allez sur Times Square. Vous allez partout, partout. Le voyage en tant que tel n'est pas si cher, mais ce sont les activités. Il y a différentes activités que tu vas choisir. Donc, ce sont ces activités-là. Coco, comment tu vas? Corinne, Noms, c'est bien ça. Depuis Montréal, merci beaucoup. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Ça devient intéressant. Partagez. Kala, tu as vu, c'est ton papa qui m'a offert le vin. On a dit, chérie, même si tu veux pas quelque chose, au moins un petit truc pour toi. Ok. Non, ton papa ne savait même pas que tu avais payé. Parce qu'il était surpris quand il a vu ça. Waouh. C'est gentil, ma fille. Oh, on dit bisous à Kala depuis Soubré. Oh là là. Waouh. C'est gentil à vous, mes impactés. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. Donc, il y a le circuit des États. Dans le circuit des États, il y a juste pour New York. Si tu ne connais pas le premier que tu dois prendre, tu prends celui de New York. Stéphane Le Zangalais, toi, je t'ai vu, tu m'as attaché. Kala, voici le gars qui m'a attaché là, qui m'a attaché sur le site où on lisait hier. Tu te rappelles? Oui, il a dit, c'est lui qui a dit l'impacteuse qui parle du Canada. J'ai été attrapé, Stéphane Le Zangalais. Mes amis, je l'ai poigné. J'ai poigné Stéphane Le Zangalais.
Il est allé m'attacher là-bas, sur une page là-bas. Il a dit qu'elle est parteuse là. Elle fait en direct. Elle, c'est lui qui a dit, est-ce qu'elle parle, elle est blanc. Stéphane le Zangalais, j'étais poignée. Mes amis mettaient les riz sur Stéphane le Zangalais. Il a voulu m'humilier sur une page là-bas, je l'ai poigné. Le voilà ici, je l'ai poigné. Hé hé, là là. Là 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 là. Quand la vidéo de la dame du Canada, Stéphane le Zangalais, fait partie de ceux qui m'ont attaché. Merci beaucoup. Il n'en revient pas lui-même. Il a dit, et les gens m'attachaient là-bas comme si j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? On m'attache sur la vidéo d'une soeur qui pleure qu'on a pris son enfant. Oui, d'autres ont vu l'impacteuse. D'autres m'ont tagué, je suis d'accord. Mais d'autres m'ont... J'ai dit, les gens m'ont insulté là-bas. Partout où cette vidéo est passée, on m'a insulté. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman au Canada, premier ministre du Canada, elle se prend celle-là. Elle m'énerve à son affaire de Canada. Je vous énerve. Mais il y a une maman qui a envoyé 500 $, 570 $ qu'elle a envoyé. Elle dit l'impacteuse, juste ta façon dont tu as fait la vidéo, j'ai vu que tu as pris compassion pour notre soeur. Je t'envoie 500 $. Vous qui êtes au Canada, vous savez que 500 $ là, c'est pas petit argent aussi. Hein? Vous comprenez? Et Stéphane le Zangalais a fait partie de ceux qui m'ont attaché sur une page. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, quand vous il y a le circuit de New York, après New York, la première fois où tu veux aller aux États, ne va pas avec ta voiture. C'est cauchemardesque conduit à New York comme ça. Surtout quand vous allez sur Times Square pour essayer de garer la voiture. Ouf, on a fait ça deux fois, c'est l'enfer. Donc, faites les voyages organisés. Quand vous allez voir que l'été là, ils vont dire, bon, on peut commencer à aller aux États. Vous avez le passeport. Organisez le voyage avec la famille. Vous allez voir que c'est plaisant. Voilà, c'est plaisant, chambre d'hôtel tout compris, seulement que c'est la nourriture que vous payez avec les activités. Après ça, il y a d'autres circuits, comme celui de comment on appelle ça, Boston, New York, Washington, Philadelphie. Tu peux t'imaginer, dans un voyage organisé, si tu as déjà visité tous ces quatre états-là, tu es déjà bien. Tu connais ça, il dit que tu connais les états. Voilà, donc faites ça. C'est pas cher, mais il faut prévoir de la liquidité. Oui, il faut prévoir l'argent parce que les activités sont payantes. Voilà, c'est ça. Vous voyez, non? Vous faites ça là, vous allez connaître bien. Au lieu de prendre de toute la famille, toute l'année, aller, oui, à Abidjan, on peut aller, parce qu'il y a la famille, c'est la chaleur familiale. Mais les voyages comme ça là, ça consolide bien le foyer. Vous vous sentez bien, vous avez découvert d'autres choses que ce que vous avez... Quoi qu'on dise là, les États-Unis, c'est pas le Canada. La France, c'est pas le Canada. Le Canada, c'est pas la France. Il y a toujours quelque chose quand tu vas dans un pays qui va être plus intéressant que là où tu es. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vous encourage à découvrir autre chose. Vous comprenez, non? Voilà. Voilà, vous comprenez? On va, mais ils ont partagé à combien de personnes? Merci beaucoup. Non, pour l'Europe, là, pour l'Europe, si tu es, mais Europe même encore, vous êtes plus privilégiés que nous. Nous, on n'a que les États-Unis, et puis Cuba, et puis les pays, comment on appelle, les pays de l'Amérique latine. Pour voyager, voilà, c'est ça, pour voyager en Amérique latine. Moi, je suis partie qu'à Cuba, c'était vraiment intéressant. Justement, vous pouvez organiser des voyages à Cuba, après le COVID, là. Tu es Canadien, tu vas à Cuba, tu prends ton passeport, fine, tu es parti. C'est intéressant, mais Cuba, il ne faut pas aller seul. Cuba, même ces voyages organisés, là, quand on va en groupe, c'est intéressant. On fait des découvertes, on visite beaucoup de choses. Je suis à Québec, mais j'irai manger Placali après COVID. Vous comprenez? Oui, voyager, c'est bon. Voilà, c'est ça. Sortez un peu de là où vous êtes. Vous-même, vous êtes en Europe, vous avez les passeports bleus, vous avez vos passeports. Bon, là-bas, tu n'avais pas besoin du passeport. Ça dit, même avec le Schengen, tu peux voyager. Ça dit, vous avez tellement l'avantage. Ça dit, il y a l'Italie. Oui, peut-être c'est l'Angleterre seule qui demande un statut particulier. L'Angleterre, je pense qu'eux, ils ne sont pas dans le Schengen. Donc, c'est ça. Donc, là-bas, vous pouvez voyager. Non. Brou, Abigail. Abigail qui coûte cher, là. Stéphane le Zangalais, il m'avait critiqué quelque part, je l'ai vu là-bas. Il est tombé sur moi, pourtant il lui a rien fait.
Il t'a rien fait, Stéphane de Zangalais. Vous comprenez? Donc, voyager, programmer des voyages, faites des sorties avec des femmes, tout et tout. Hein? Même les spas, tout ça, c'est des activités familiales. Spa, là, vous pouvez organiser, monsieur, madame. Hein? Une fin de semaine, si vous voyez que bon, un week-end, ça dit une fin de semaine, mais vous pouvez prendre une journée, un vendredi ou bien jeudi. Ou bien, ça dit, moi-même, j'aime en semaine. Parce que souvent, les fins de semaine, il y a trop d'hommes. Vous prenez le spa, vous partez, vous passez du temps là-bas. C'est que j'aime chez les blancs. Mais si tu veux, tes fesses n'ont qu'à être penchées, tes bras n'ont qu'à être comment, tu portes ton habit. Il n'y a pas quelqu'un qui va se moquer de toi. Ses genoux, elle dit, elle aussi, elle ne se regarde pas. Il y a comment elle s'est mise là, il y a son ventre là-bas, il y a ses fesses, il y a ses mollets durs. Chez les Whitey, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Donc, faites-vous ces plaisirs-là. Tout ça, là, ça aide. Ah, Miami, moi aussi, je ne connais pas la Floride. Tout ça, c'était prévu, mais bon, ça a gâté. Voilà. Sorti de notre confort. Oui, il faut sortir. Bénie Victoire, oui, il faut sortir. Sortons un peu. Sortons. Oui, c'est vrai, hein, on travaille. Mais un jour, là, tu dis, ouf, comme disent les Québécois, respire un grand coup. Et puis bon, tu dis, chérie, ce week-end-là, on va sortir. Arrange-toi, hein. Comme on va garder les enfants, on n'a qu'à s'arranger. Mais il faut qu'on sorte. Vous revenez de là, vous êtes frais. Mais non, on ne va pas sortir. Toujours dans la maison. Et puis on pense que rapport sexuel, c'est activité familiale. Rapport sexuel n'est pas activité familiale. Moi, je ne considère pas rapport sexuel comme activité familiale. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. On a fait combien de temps? Mais je vais vérifier. Si ça fait une heure, je vais laisser. Sinon, pour les voyages organisés, là, vous qui êtes au Québec, tout et tout, un rapport sexuel n'est pas activité familiale. Laissez ça. Voilà. J'ai fait une heure. Partagez le petit direct, vous avez quel problème? Quand le COVID va finir, là, quand on va finir, je vais comme essayer de voir. Je vais essayer de lancer encore un peu un petit direct à ce sujet. COVID est fini, on dit COVID est fini. Sortons, bougeons un peu, voyageons un peu, allons prendre l'air. On ne sort pas. 1h16, oui, c'est ça. Merci Christy Issa. On ne sort pas. C'est l'enfer. Vous voyez? Voici ma soeur qui est en haut ici. Normalement, à chaque anniversaire, on s'organise ici au moins. On danse les chansons bêtées, tout et tout. Bon, ma petite soeur, elle est de l'autre côté. Elle est trop loin, elle est à Montréal. Mais on lui envoie un peu sa part de gâteau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chocolat. Elle va venir garer la voiture si on ne sait pas si un Québécois va appeler. Donc, il a dit que ma grande soeur habite quelque part à deux pâtés de mer. En été, on marche pour aller chez elle. Chez ma grande soeur, où j'avais pris photo, je suis venue manger chez la fille de ma mère. Là. C'est ça. Mais aujourd'hui, on peut pas. On peut pas. Ça peut faire combien de temps, je l'ai vu. La dernière fois, elle a fait à manger, c'est son mari qui a envoyé à la maison ici. Il n'y a pas de goya. Donc, ça veut dire que quand on va dire COVID est fini là, actuellement, on travaille, on n'a qu'à garder pour voyage, pour qu'on va aller s'épanouir. C'est ça. Il faut qu'on sorte de comme on est. En tout cas, moi, je me sens comme en prison. Voilà, qu'est-ce que tu es? Tu programmes en Afrique, oh, tu programmes, oh, c'est sûr que programmer en Afrique là. Un rapport sexuel n'est pas activité familiale. On a qu'à laisser ça. Si c'est quelqu'un qui a dit que non, il ne veut pas, et tu fais l'amour avec ta femme, donc c'est elle et tu la mets à l'aise. Il faut laisser ça. Tu n'as pas, tu l'as pas encore mise à l'aise. Il faut laisser ça. Oh, Stéphane, les Angalais, toi, arrête là. L'Europe, elle aime placali, mais il aime faire les plaisirs. Et il aime placali. C'est son repas préféré qu'elle a. Placali, il aime ça. Et ça, quoi rapport sexuel activité? Quoi rapport sexuel? Donc, tu as fait ton activité là toujours dans quelqu'un. Il faut laisser ça. J'ai dit que préparons-nous pour la. Ça dit que finissons le COVID. Quand le COVID va finir, on va se préparer. On va sortir. On va aller s'épanouir. Vous qui êtes en Europe, vous allez visiter l'Italie, vous allez, ceux qui sont en Italie, vous venez en France, ceux qui sont en Angleterre, vous venez en France. C'est-à-dire qu'on sorte un peu pour faire, ouf, voilà. Nous qui sommes ici, bon, si on ne veut pas aller en Afrique, on peut aller ici aux États. C'est pour les États, là, je vous ai montré.
Tu connais pas les États-Unis la première fois, tu vas pas avec ta voiture. Tu vas pas avec ta voiture aux États. Parce que si tu es tombé dans l'embouteillage de New York le soir, tu es dégoûté de ton séjour. Tu es très dégoûté. Oui. Oui. Si vous, quand on va finir avec COVID là, tout et tout là, je peux. Pareil, moi j'ai l'habitude de le faire. Donc je peux déjà même rentrer en contact avec les gens des compagnies et puis organiser ça. Tout et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pas aller. J'ai dit que quand on est parti aux États, c'est-à-dire, quand on avait fait le tour de circuit de Boston, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait Boston, New York, Philadelphie, là, et puis Washington. J'ai dit que c'était merveilleux. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas découvrir de toi seul, même si tu vas rendre visite à quelqu'un. Mais comme c'était dans un circuit de voyage, on a visité tout ça. Les autres fois où je suis partie en Caroline du Sud, tout et tout ça, c'était des voyages familiaux. C'était pas comme dans choses. Mais ce qui est intéressant, il faut voyager de façon touristique. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Même chez les parents où tu vas là, c'est même placalé, elles sont grenades. Elles n'ont que des bœufs qui t'attendent là-bas. Il n'y a pas autre chose là-bas. Ah bon. Ouais, c'est la même chose. Tu t'en vas aux États, mais chez les parents, c'est la même chose là. C'est le même système là, nous tous ça dedans, on est. C'est ça. Mais il y a des voyages, par exemple, où j'appelle ça voyage comme pour faire une ambiance en famille. J'ai une famille très proche à Québec et puis à Gatineau. Là-bas, quand je m'en vais, c'est pour dire que surtout Québec, là, quand j'arrive là-bas, là, bon, on sait que c'est pour rire, c'est bon, on boit, on se fait plaisir. C'est là, je vous ai dit que on met le matelas gonflable. On cause jusqu'à où le sommeil t'a pris sur le matelas, tu dors là. Ça, c'est vraiment ça. Voilà. Maintenant, si c'est un autre voyage où on vous dit, bon, ah, vraiment, on veut changer de décor. Bon, là, le zizi pampan à l'heure du jour, bon, là, on prend un hôtel. Et puis bon, on se met à l'aise là, on se met bien comme on dit. Donc il y a tout ça que vous calculez. Donc, programmez des choses avec les enfants. Ne laissez pas les enfants toujours dans la maison. Sachez que la façon dont nous les adultes là, on vit le stress là, c'est quand les enfants aussi vivent le stress. C'est comme ça les enfants vivent le stress. Quand je suis arrivée au Canada, il y a comment on dit ça? Wendy a toujours été un enfant un peu tranquille. Hein. Il faut le reconnaître. Elle a été tranquille. J'ai dit, Dieu merci, ce n'est pas pour mon tempérament. Hein. Son père aussi, vous le voyez, c'est un showman aussi. Mais, et on ne sortait pas. À ce moment-là, il venait d'arriver. Le monsieur aussi, lui, la dernière fois, il me dit que tu es devenu une star au Canada. Alors que moi, je suis arrivé à toi. J'ai dit, mon cher, ce n'est pas l'arrivée qui compte. Toi, tu étais arrivé avant moi, non? Aujourd'hui, là, c'est toi qui te caches maintenant. C'est pas que c'est moi, on connaît. La vie. La vieille sauce tomate et bonbon aussi. Donc, quand il va au travail là, tu sais, quand tu viens d'arriver, ton mari, tu le suis façon là. Quand il va au travail là, Wendy et moi, on est collé derrière lui comme ça. Puis là, il ne travaille pas. Tu es venu, tu as trouvé ton mari. C'est là, il m'a dit que, on te montre Berry Cam, tu ne connais pas Berry Cam. Hein? Il s'est joué les Django, ce monsieur que vous voyez là, là, sur ma tête. Il a fait comment? Je ne connais pas. C'est dans ça là. Là, quoi, ils aiment trop ça. C'est dans ça là. On avait ça. Ils ont fait ça, t'as perdu le fil de mes idées. J'ai dit qu'il s'est joué les Django sur ma tête. On dit, ja, puisqu'on est d'une grande famille à Angri là, l'enfant a commencé à vivre le stress, je ne savais pas. Quand son papa va au travail, moi aussi je pleure. Je me mets là. J'appelle ma maman, je dis à maman, oh, ici là, il n'y a même pas quelqu'un pour causer. Ici là, il n'y a même pas quelqu'un. Maman a dit que, mais là-bas, quand vous êtes malade, on ne peut pas vous soigner. Il a dit, si on nous soigne, je dis à maman, oh, ici là, moi aussi, il n'y a pas une femme qui a dit qu'elle n'a pas vécu ça. Tu arrives en Occident, suivre ton mari, et puis, à un moment donné, tu dis, mais aïe, le pays, ils ont dit là, c'est ça qui est là, là. Pays des Blancs, on parle de ça là. On peut même pas. Ça dit, il n'y a pas quelqu'un pour causer. En ce moment-là, il n'y avait pas WhatsApp et puis chose. Hein. En ce moment, c'était Skype. J'appelle maman. On payait les cartes. Skype même n'était pas encore bien.
On payait les cartes. Tu payes, tu, souvent même là, tu payes. Allô? Allô? Ça donne rien. Ça reste dans ta main. Carte là, tu n'as pas parlé beaucoup. La carte est déjà grillée. C'est comme ça, le monsieur. Il a dit, bon, voici 30 dollars, toi et puis la petite, allez au centre-ville, vous allez vous promener. On est arrivé au centre-ville, déjà l'enfant vivait le stress, puisqu'elle a été coupée aussi de ses frères là-bas. C'est une grande famille. Et je ne mets pas ici, elle est derrière moi, même je m'ai vidé la poubelle, l'enfant n'est pas capable. On arrive à l'activité là-bas, on a fini, on a joué à l'extérieur, tout et tout, les jeux, j'ai fini de payer. On veut partir. Voici Wendy, elle devait avoir quel âge? Elle devait avoir 3 ans. Elle a commencé la crise. Aïe! L'enfant dit, elle ne va pas à la maison. Non, je ne vais pas te renier. Je ne vais pas te renier. Tu as pas vu que j'ai ri. On est ensemble. On est ensemble. C'est pour ça que les gens ne se désabonnent pas de ma part. Il y a des côtés où il dégame, puis il y a des côtés où il rattrape. Il faut laisser. J'ai dit ça pour rire. Wendy a commencé à faire la crise parmi les blancs là-bas. Je ne savais pas comment faire. J'ai dit, mais on va rentrer. Elle dit que non. Elle a commencé à pleurer. Déjà, c'est parce qu'elle se sentait aussi seule dans la maison là-bas. Hein? Et puis, on était dans une maison qui était poreuse. Où elle est là? Quand tu lui demandes, Kala, c'est quoi la maison poreuse? Elle dit la maison de M. Navarro. Un latino. Sa maison était poreuse. Ça dit, les frères rentraient. La maison n'était pas bien. La maison n'était pas bien chauffée. Aïe. J'ai dit, on rentrait. Mais l'enfant ne veut pas rentrer. J'ai la main ici. J'ai la tisse ici. Aïe. Et puis devant les blancs, tu peux la tirer d'une manière. J'ai dit, aïe, mais pourquoi elle fait ça? Et puis je lui ai dit, viens. Et puis je l'ai pris dans mes bras. Moi-même, je commence à pleurer. Puis il y a une vieille femme qui croit ce qui est venue, qui était venue à sa fille. Elle a dit, c'est la première fois que vous sortez avec elle et puis elle fait une crise. J'ai dit, non, c'est la première fois qu'on sort. Elle dit, pour la première fois. Ben, elle regarde l'âge d'un enfant et puis elle me regarde. Elle dit, pour la première fois que vous sortez avec votre enfant. J'ai dit, oui, parce qu'on est des nouveaux arrivants. Elle dit, ah, ok. Est-ce qu'elle a des frères à la maison? Elle a d'autres frères? Je dis, non. C'est juste moi et son père. C'est la femme blanche qui m'a dit, non, l'enfant est en train de vivre aussi son stress. Est-ce que votre famille ne vous manque pas? Je dis, si, si, ma mère me manque, mes frères me manquent. Elle a dit, c'est ce que l'enfant aussi vit. Aujourd'hui, tu es sorti avec elle, elle a vu d'autres personnes. C'est là que j'ai compris que les enfants aussi vivent leur tristesse. Et puis je l'ai prise, tout et tout. Elle a dit, parle-lui doucement, tout ça. Puis quand on est arrivé à la maison, j'ai expliqué à son papa. J'ai dit, ah, papa, on est parti là. Kala a fait façon, façon, devant les gens là-bas. Mais il a dit, ah, tu sais que vous allez sortir souvent maintenant. C'est comme ça que j'ai réglé son problème. Voyez-vous, hein? Si la femme ne m'avait pas expliqué, il n'allait pas savoir que l'enfant vivait le stress. Puis après, bon, quand je suis allée étudier, c'est là que j'ai compris que oui, les enfants ont des gros moments de stress. La façon dont toi tu vis en Occident et puis tu te sens pas, à un moment donné tu comprends pas comment, pourquoi tu es en prison ici, tu dis bonjour, on te répond pas, tout et tout. Les enfants aussi vivent ça. Vous comprenez? Mais le monsieur, il s'était dit Django en ce moment, hein. Tout passait par lui, hein. Ah, d'accord. Maintenant, là, nous deux, on décide. Maintenant, on décide. Sinon, avant, là, il... Tu pouvais parler, tout passe par lui. Bon, mes amis, je vous ai expliqué quand on va finir tout ce que je tenais à vous dire. Les hommes, quand vous envoyez les hommes en Occident, les femmes en Occident, ajustez-vous. Il faut vous ajuster, c'est très important. Ajustez-vous. Prenez le bon côté du système. Il y a du bon côté ici. Oui, c'est vrai. On n'a pas le soleil comme chez nous. On n'a pas la famille. On n'a pas ces difficiles. Mais on peut arranger un peu comment les gens vivent ici. Là. On peut faire ça comme ça. Chérie, papa. Papa, doucement, papa. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a rien dedans. Tu sais que toute la semaine était une semaine vide. Il n'y a rien dedans. Je n'ai pas dit ça dans la vidéo ici, mais il n'y a rien dedans. Il faut attendre, après tu vas parler. Lui, quand on a dit qu'on commande là, c'est lui qui est en train de parler sur moi dans direct ici. Toi aussi, on a dit qu'on te commande.
On ne commande pas, on commande pas quelqu'un ici. Je vous avais dit ça toujours. Utilise les plantes. Ah, les médiums là aussi, vous fatiguez les gens. Je vous laisse, mais parfois vous exagérez. Mes amis, partagez le direct et puis je vais vous laisser. Merci beaucoup. Vraiment. On a ri un peu là. Partagez le direct. Ah. Il faut qu'au moins ce soit au moins 100 partages la nuit là. Bon. Partagez le direct, mes personnes. Ok, Lovier Sidibeta, mais c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tous vos trucs d'anniversaire. Je vous suis infiniment gré. Merci. Merci. Aïe, tu le connais. Ah, lui aussi, on a dit qu'il ne parle pas. Lui là. Pardon. D'après Wendy, si les. Maman, si tes abonnés savaient qui il était. Et lui, il ne parle pas, il ne se mêle pas de mes affaires, mais ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Ah, ta blonde, c'était Métro Montmorency. Elle était. Lui, c'était Berikam. Le roi, c'était. Si, lui, il traçait tout. Et puis, il me donne. Tu sais que. On était sur la ligne verte. Honoré Beaugrand. Avec. Comment Honoré Beaugrand, son opposé, là, c'est quoi? Dites-moi, oh, Nyabé. J'ai dit que papa. Honoré Beaugrand. Et puis, oh, le bas, là, j'oublie. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Hein, c'est pas encore fini, on est dedans toujours. On est dedans, causerie. Causerie. Honoré Beaugrand est l'opposé d'Honoré Beaugrand, pardon. Quelqu'un qui est à Montréal dans la comédie. Et puis je me suis trompée. J'ai pris l'autre ligne là-bas. Je l'appelle quand c'est quand ma voix devient petite. Papa, Choubi, je me suis trompée. Oh. Mais je t'ai montré là-bas. On t'a montré combien de fois? Hein? On va te montrer combien de fois? Et moi je suis fatiguée. Toujours on te montre, tu ne reconnais pas. Hein? Sur ta tête. Comme a dit une femme aux États-Unis, elle a dit l'impacteuse. Tes vidéos font rire, mais il y a la vérité dedans. Tchè! Actuellement, je fais permis. Les criances sur ma tête. Les criances de ça. Hey, pour ne pas dire les cris. Criances. En grignon. Merci beaucoup. Je me suis trompée. Tu sais, en changeant là, tu te trompes. Au lieu d'aller du côté d'en haut, là-bas, tu es parti. Au lieu d'aller du côté d'Honoré Beaugrand, je suis allé. Et puis maintenant, j'arrive là-bas. Là. Quand c'est qu'on est de me débrouiller tout ce, je l'appelle maintenant. Papa, je suis perdu. Oh. Et papa, quand c'est qu'on, je deviens flec même devant lui. Comment ça, tu es perdu? Et ici, on n'est pas au village. Hein? Tu crois qu'ici, on est habitué, on n'est pas habitué. Il faut s'adapter. Hein? Moi, la fille de mon père. Il faut s'adapter. Cela, il parle le français maintenant sur ma tête. Il devient comme ça. Il dit non, il faut me montrer. Tu sais que faut pas j'ai manqué le rendez-vous là. En grignon, merci beaucoup. Là, tu es. Prends. Tu es de quel côté? Il faut me dire. Ah, qu'est-ce qu'on a? Je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. Eh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Là, là. Le monsieur que vous voyez, son affaire. Permis. Je suis arrivé au Canada, je l'ai trouvé ici. Oh. Comme je dis tout, je l'ai trouvé 6 mois après. Causerie va s'allonger. On rit encore. Le français de ça, fleur cristal sur ma tête. De Dallois à New York, j'ai béni Dieu pour ça. Merci beaucoup. Permis. On a commencé à faire. Lui, il habite, ça dit, moi j'ai commencé, mais lui il est venu après, ça dit, il y a quelque chose où j'ai retardé, après lui il est venu, il a fait, bref, on a fait le permis, on a eu le permis ensemble, mais lui il est l'homme, donc il se sentait plus en sécurité, pas parce qu'il est bon, il est assis là, il conduit pas mieux que moi il conduit mieux que lui, hein, ça c'est la vérité, puis ça chauffe pas, mais voilà qu'il a émiré à sa tête, j'ai dit que les... Quand on prend les gros camions et puis on arrive, et puis il dit, papa, hey, le gros camion arrive, il dit, le gros camion va... Que gros camion va te faire quoi? Tu restes sur ta route, gros camion va te faire quoi? Et j'avais besoin qu'on me rassure un peu. J'ai dit, quand je m'ai apprendre à lui, les criants sur ma tête. Mais chez les autres, c'est le plus généreux. Enfin, j'ai une de mes copines, elle apprenait le permis. Hein. J'ai dit, quand elle faisait là, moi, j'étais étonnée de façon dont il était calme sur elle. Elle dit, mon beau, la voiture, ça va à gauche. Comment je fais?
Si c'est moi, il va me dire, mais c'est toi qui contrôle la voiture, c'est pas la voiture qui te contrôle là. Mais quand c'est Edina, ma belle, il faut bien attraper le volant, c'est toi qui contrôle la voiture. La voiture là, c'est où tu l'amènes, elle s'en va. Il a dit, le temps était doux comme ça. Quand on est descendu de la voiture, il dit, hé, hey, Momo, en tout cas, mon beau est bien. Est-ce, on dit, ton mari est bien, tu as dit, il n'est pas bien. Il dit, en tout cas, il est bien. Si c'est sûr, elle est. Les autres là, elle dit mon beau, en tout cas Yoyo, elle dit Momo, elle s'appelle Yolande et puis je l'appelle Yoyo, elle m'appelle Momo, elle dit Momo, mon beau est bien d'air, ah vraiment, c'est parce que c'est toi que ça passe, on est parti en Angleterre, ma belle c'était là, des attentes à coup passé, eh, ma belle en tout cas tu as eu un mari, oui c'est vrai, c'est un bon mari, mais il y a des choses, il n'a pas de patience sur moi, vous comprenez, donc tout ça là, on regarde. Mais comme je vous ai dit, j'ai façonné un de son côté. Il était très casanier. Donc, vos hommes casaniers, là, prenez le devant. Hein? Prenez le devant de temps en temps. Aïe! Ah, son affaire n'est pas facile, là. Elle dit, je suis morte. Ah, c'est tout, William, tu es morte. C'est la vérité, il t'a dit. Hein, là? Ah. Il va parler sur tout. Un affaire n'est pas facile. Les hommes, c'est pas facile. Hein? Désolé de dire là. Moi, tout, il dit, je n'écoute pas les conseils d'une femme qui est célibataire dans l'affaire de foyer. Je ne peux pas te mentir. Pour ça, là, si on veut, on a qu'à dire, c'est pas que je suis hautaine. Je n'écoute pas les conseils d'une femme célibataire dans l'affaire de foyer. Si elle a vécu dans le foyer, oui, hein. Celles qui ont vécu dans le foyer qui parlent de leur expérience, oui. Mais tu n'as pas vécu dans le foyer. Tu as rien dans un conseil de foyer. Ah, ma chérie, moi, je ne t'écoute pas. Et laisse ton papoune, mais c'est la vérité, elle dit. Laisse-le gâter son nom. C'est ça qui est là. Tu n'as pas expérience. Et puis tu as rien dans un conseil. Bien fait ton expérience. Tu fais ton expérience, moi, je vais t'écouter. Daniel Titia, tu n'as pas expérience de foyer. Et puis tu as rien d'un conseil dans le foyer. Je ne t'écoute pas. Pourquoi je t'écoute? Hey. Les choses, il a dit qu'on a mes directs de soi et puis des femmes me rejoignent. Ah, les pasteurs, on a ri, hein, mais il y a la vérité dedans. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'ai fait l'expérience des permis que tu as dit. Il dit, ah. On a crié sur moi. On a écrit sur moi. Si je ne suis pas là, comment tu as fait? Ah. Si je ne suis pas là, comment tu as fait? Donc, il faut faire un effort. Faire un effort. Que, donc, c'est... ma fille et moi, toujours, on nous rappelle. Donc, le jour que je ne suis pas là, vous allez faire comment? Et le jour que tu n'es pas là, on va s'ajuster. Mais pour le moment, tu es là. Il a son manger qu'il aime. Pour le moment, tu es là. Georgette Amouzou. Bon, ça. Il y a des mangers des gens d'ici là. Si je suis en train de manger ça, c'est comme si c'est. Ça dit, c'est comme les croustilles, des trucs comme ça. Ouh, il dit. Quand il me voit, il dit. Ça dit que je comprends pourquoi tu t'entends les blancs là. Ça dit, c'est quand tu es dans leur esprit, quoi. C'est comme. Ça dit, tu es dans leur esprit même. Leur manger, leur façon d'être, tout et tout, tu les comprends. Moi-même, je travaille avec eux, mais. Je fais juste mon travail, mais moi-même, je les comprends. Eux, moi-même, on s'entend quand ils dépassent des gris. Il me dit ça, il dit, hein, je comprends pourquoi tu aujourd'hui tu parles. Avant, c'est lui qui. Le pays où coule le lait et le miel, là, ça, c'est parole du roi. Avant, là, j'ai. Mais après, quand il a compris le système, il a dépassé. Il dit, tu es venu me dépasser, mais il a une affaire du Canada. Il dit, je comprends pourquoi tu entends les blancs. Et tu, ça dit, ta façon même de voir les choses. Il me dit, j'ai dit, mais croustilles, là, tu as un problème. Ça, il dit, chérie. Mais il y a une de ses collègues au travail, elle est venue, Jean-Luc, il y a des croustilles. Il dit, chérie, quand je suis venue, et puis j'ai vu que c'est les croustilles. Il dit, moi, croustilles. Ça passe pas dans ma vie. Ça fait 10 ans, il est au Canada. Je lui ai dit que fais un effort. Pas, il y a un jour, on peut aller quelque part. Même pizza pour moi, on demande pardon. Maintenant, la dernière fois, on est parti, quand on est parti faire le tour du Canada, là, on est arrivé quelque part, ça a coincé au niveau de l'oreille, on est tombé dans un embouteillage, tout et tout, tout et tout. On arrive là. Tous les restaurants que les gens comptaient dessus, les restaurants étaient fermés. Mais on a fait toute la journée, tu as faim.
Quand elle était là, maintenant, elle dit, mais papa, c'est pour ça qu'on te dit de temps en temps, essaie avec la pizza. Pourquoi ça passe pas? Quand elle a dit, papa, c'est pour ça qu'on t'a dit d'essayer avec la pizza. T'as jamais voulu essayer. Vous comprenez? N'a jamais voulu essayer avec la pizza. Maintenant, on est arrivé là-bas. On mange pizza comme si c'est le premier jour qu'on est arrivé au Canada. Il dit, tu es en palabre avec la farine. Fais pizza, c'est farine qu'on prend pour fabriquer. Tu, tu manges une bonne flotte, tu manges les trucs, tout et tout. On t'en est allé et tout, tu manges. Mais pizza, c'est comme si tu en palabre avec pizza. Il dit, c'est pas même, on met fromage dessus. Merci beaucoup, Anne-Marie Nguessan. Là, c'est le nom de Nguessan, ça. Nguessan. Merci beaucoup. Mes amis, hein, tu n'es pas en parlant de pizza. Il dit pizza, c'est farine. Il dit c'est leur sauce de tomate et puis ils vont mettre encore et fromage dessus. C'est ça même qui m'énerve. Maintenant, on est arrivé ce jour-là, il mange pizza au bout des deux. Quand elle était là, mais papa, il fallait faire un effort. Tu n'as jamais voulu essayer. Le ventre qui a faim. Moi, où tu me mets, je mange. Tout terrain. Y a pas de problème. Pas de problème. Je connais les Whitey. Je marche avec le droit. Je marche avec la loi avec eux. Comme ça qu'elle a. En tout cas, mes personnes partagées. Je voulais que mon direct soit partagé au moins à 100 la nuit là. On a ri dedans. Ah, les sauces agressives, quoi. Stéphanie. Aïe. Souvent, il fait la cuisine et puis il vient et puis tape sur mon épaule. Il dit, mon chéri. Il n'a même pas encore goûté, mais il sait que c'est bon. Eh, chérie, en tout cas. Souvent, mais quand il prépare, et puis il entend, moi, il dit, je voulais te divorcer. Un jour, quand je m'avais fait quelque chose, je voulais te divorcer. Mais quand il pense, qui va faire des bons repas comme ça? Ah, c'est à cause ça, il te laisse un peu. Il te laisse encore pour 3 mois, un peu. Et puis, il est en train de t'analyser où tu es là. Sinon, il y a longtemps, il t'a divorcé même. Vous comprenez? Aïe! Là, il est moyen africain, moi, et tout, il dit ça. Il dit que je voulais. Quand il mange, il dit la fille des aides, mais la sauce là, tu as framponné ça, hein? Et puis il dit à Kala, ah, c'est à cause ça aussi, ta main, il ne peut pas la laisser là. Pas manger là. C'est quelle femme? Et puis il dit, et puis maintenant, quand il dit, les ambitieuses qui sont à Abidjan qui me regardent, c'est des bâtards. Moi, il fait quoi avec vous? Il y a ma femme, elle est là. Elle prépare les bonnes sauces. Moi, elle me gère sur tous les plans. Moi, elle fait quoi avec vous? Tu veux. Comédien, il fait la comédie, c'est, vous comprenez? Il faut qu'on fasse de l'humour entre couples de temps en temps, c'est important. Faisons un peu d'humour. Il y a des couples où on rit même pas. Il faut qu'on rit un peu. On est dans le foyer, on rit pas. Donc c'est où on rit? Moi, il veut qu'on rit un peu. Il joue la comédie souvent. Souvent, quand il se voit qu'on s'habille, puis il dit, je vais checker actuellement là. Il y a les anciennes là qui me guettent. Hein. Il a dit, mais elles peuvent te guetter, mais ça n'a pas allé quelque part. Les anciennes, c'est le. Ah, les anciennes allaient là. C'est que des stars là. On cherche le mari de la star. On rit un peu dans le couple. On détend un peu l'atmosphère. Le couple, ça ne doit pas être quelque chose. Comme j'ai dit, on n'est pas dans une caserne ici. On est en couple, on rit un peu. On peut. Il y a des foyers où monsieur, madame ne rit pas. On ne rit pas un peu. On ne peut rien jouer. On ne rit pas. Mais c'est ça, je mets dans l'humour. C'est pour ça que vendredi soir, là, comme dit un méga, il dit, moi, vendredi, qu'est-ce que je fais? C'est le samedi matin, je prends mon temps et puis j'écoute tout en direct. Et puis je ris dans ma maison avant de me lever. Il dit, Maria n'est pas qu'un militaire. Tu sais, parce qu'il a mangé maintenant, puis il dit, chérie, vraiment. En tout cas, la dernière fois, ce que tu m'as fait, j'étais très fâchée, mais bon, je vais te mettre 3 mois encore dessus. Il a ajouté un peu ton séjour dans ma maison. Il a ajouté. À quoi est ton grand frère? Et puis, quand c'est quoi, il cite le nom de mes frères maintenant. Il dit, pas, il sait que tes frères t'aiment beaucoup. À quoi est ton grand frère Hyacinthe? Et puis, le grand frère Gosse. Bon, j'ai allongé un peu tes jours. Si d'ici là, tu es correct, je vais te garder encore. Et puis, on rit. Merci beaucoup, mes amis. Je vous aime. Rions, oui, rions vivants. On peut rire un peu dans le couple. Un couple, on doit rire. On doit rire. Un couple, c'est pas fait pour être sévère. Pour... Mais les hommes qui sont visage dur à la maison, ils rient dehors.
Vos hommes qui servent le visa avec vous dans vos maisons, ils rient dehors. La petite fille qu'elle a dehors là-bas, elle j'accueille les choses. Hein, il dit que 3 mois, il dit qu'il m'accorde fleur cristal. Il dit qu'il m'accorde toujours, hein, depuis qu'elle est connue, il m'accorde seulement 3 mois. Et quand on le dit là, on a dépassé 45 janvier maintenant. Là, à ce moment-là, 45 janvier dépassé. Aujourd'hui. Toujours, il dit, je te donne 3 mois. Surtout quand il prend moyen de celui qui l'aime là. Aïe. Mon beau-père est venu ici, j'ai framponné moyen, j'ai déposé devant lui. Il dit, ça c'est manger africain, tu as papa au Canada. Il dit, papa, ah, c'est ça qui est là, hein. C'est ça qui est sa force de frappe. Aïe. Il dit, si c'est manger là, elle va préparer tes postes. Tu moins quand tu te demandes, mais est-ce que je suis au Canada? Elle prépare. C'est bon, quelqu'un peut pas dire, c'est faire la cuisine. Tu dois pas te vanter. C'est les gens qui ont moyen qui vont dire. C'est les gens qui ont mangé ta nourriture, qui vont faire ton témoignage. Aïe, la marraine est là. Elle dit Covid a gâté. Je ne peux plus aller chez ma fille pour manger, bon manger. Ah, et lui, il dit ça. Il dit, moi, il ne laisse pas ma femme là, pas elle, en tout cas. Il dit, manger là, elle m'arrange. Elle m'arrange dans manger, elle m'arrange dans tout. Donc, je ne la laisse pas. Le père est venu, on a préparé, mais on a déposé devant lui. Matin, bonheur, il fait leur manger là. Vous savez que les gens de chez eux là, ils aiment. C'est comme nous, on appelle circle là. Ils appellent ça kaklou. Il a préparé, il a déposé ça devant le père ici. Il me suis agenouillé devant mon beau-père. Il a déposé manger devant lui. Il n'en revenait pas. Il y a toujours un petit poisson fumé dans mon congélateur. Il y a toujours un petit poisson fumé. J'ai sorti le dernier kata. J'ai fait ça la veille. Et puis quand j'ai fait manger, j'ai fait comme au village. Mon père m'a appris les belles valeurs. Ou bien chérie? Il m'a appris les belles valeurs. Chez nous, on nous a dit que l'étranger, là, pour le respecter, tu te réveilles très tôt. Je me réveillais tôt. J'ai préparé manger. Le père se réveille. Le foutu est bien lisse. J'ai déposé des mains. Papa, le père n'en revenait pas. Aïe. Hein, quand c'est ce qu'il aime, là, il va augmenter le séjour de 1 an. Mais si c'est les salades, là. Salade, il a mis salade avec le pain. Salade avec les 2 pains, il met les 2 yogourts encore dessus. Après, il dit que c'est toi qui... Il dit, depuis que tu es connu, tu aimes manger tes plats. Moi, ça ne me dit rien. Il t'a déjà dit ça. Il dit, oui, tu m'as dit. Chérie, il ne faut pas dire qu'elle aime l'argent. Parce que c'est son argent qu'elle a pris pour me faire les cadeaux. Vraiment, merci beaucoup, Jason. Tu m'as fait honneur devant mes impactés. Il ne m'attendait même pas à ça. Il faut laisser ça. C'est moi qui a payé la machine. Mais après, je dis, c'est ça. Mais... C'est bon, il ne faut pas voir de va rentrer. Quelqu'un qui a dit, s'il aime, là, il va te donner 1 an de plus. c'est la vérité, il t'a dit. Toutes mes soeurs qui sont dans leur foyer sont assises. Mes grandes soeurs sont assises dans leur foyer. Papa nous a dit que les beaux-parents, on les prend bien. On dit, prends bon, on nous a appris ça. Mon beau-père est venu, il n'est pas dormi. 6 heures déjà, il était déjà debout. Comme on fait au village là, j'ai fait tout bien, préparé sa table. Quand mon beau-père est venu, il dit qu'il a fait de beaux rêves dans notre maison. Il a dit ça, quand il s'est réveillé. Avant de partir, nous avons une bénédiction. Il dit, Souba, il fallait qu'elle vienne au Canada pour voir la vraie valeur de ta femme. Il connaît respect. Il a dit que je vous ai déjà dit, je me couche en bas de ma belle-mère, marche sur moi. Hein. Je vous ai dit ça, hein, ouais, mais l'impacteur, vous voyez là, je me couche même. Il a dit, maman, je me couche sur toi. Ils vont témoigner quand moi est bon. Si elle veut faire pour les blancs, je sais comment on fait. Il fait pour les Africains, il connaît comment on fait. Il y a une maman ici, personnellement, elle est venue, c'est elle a décidé. Je n'ai même pas dit le nom de ma copine pour ne pas réveiller mauvais souvenir. Elle a invité sa maman chez moi. Quand sa maman a mangé, elle a dit ça, c'est femme bêtée qui a pas mangé là. Elle a confirmé le code. Il y a ma grand-soeur à Ottawa, son mari est venu la manger. Elle n'était même pas encore arrivée au Canada. Son mari est venu la manger. Il m'a dit que c'est ma... Hein, le grand frère, tu te rappelles, hein?
Grand-soeur, tu te rappelles. Son mari à moi ici me demande, c'est ma femme qui t'a donné la recette. Il a dit, ah, grand frère, comment ta femme va me donner une recette de maïs qu'elle a préparée pour toi, pour toi? Il dit, non, mais tu as préparé comme ma femme? Il dit, ah, c'est qu'elle suit mes petits, petits doigts là, c'est ce qu'elle sait faire qu'elle a. Aïe. Non, je suis la femme du roi. Fan club du roi. Les Laurentides. Oh, c'est gentil. Beau frère, ça c'est pas bluffeur. Bachaka bluffeur. Toi, c'est le gars là, c'est pas mon gars avec lequel on avait parlé là. Non, 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 il n'y a pas femme soumise. Faut laisser soumission là. On peut causer de tout, mais le mot soumise là, non, non, non. Moi, quand on dit soumission, respect. Ben, les beaux parents, ils t'ont rien fait, tu leur dois le respect. Tes beaux parents t'ont rien fait, donc c'est le respect que tu leur dois. Qu'est-ce que c'est, quelle de mes paroles qui a dépassé parole de ma belle-mère? Ma parole peut pas dépasser. Même ma belle-mère m'a manqué de respect. Comment? Il n'y a pas de parole pour elle. Il n'y a pas de parole devant ma belle-mère. Parce que si j'ai donné parole à ma belle-mère, c'est qu'elle a donné parole à ma maman. C'est comment elle voit les choses. Parce que ma maman n'est pas une femme facile. Vous comprenez? Ma mère n'est pas facile, mais elle me donne les bénédictions. Parce qu'elle parle pas. Quand elle parle, elle dit, ah, faut laisser. Elle est venue, elle disait que, oh, chez toi ici, hein, les mamans, hein, chez toi ici, hein, il n'y a pas un noir. Comme si quand elle venait, pourtant je lui avais dit qu'il n'y a pas de noir au Canada. Tu n'as pas croisé les noirs. Elle avait comment, tu les connais, hein, quand tu les envoies là, elle faut comment te stresser. Elle avait comment me stresser ici. Hey, chez vous ici, c'est trop calme. Il y a pas de, on partait au travail, on vient, elle est seule à comment s'ennuyer. Il n'y a pas de blanc ici, tout et tout dans ton quartier. Ah, Momo, ton quartier aussi est trop tranquille. J'ai dit, maman, quand tu venais, je t'avais dit. Moi qui n'aime pas les longs directs. Attends, le direct. Il y a une personne, j'ai vu, qui était connectée depuis la première heure qui est là. Donc, ça veut dire que le direct est très spataillé. Partager. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas. Vous me voyez, c'est l'impartesse. Je vous dis ma vraie. Il n'y a pas. Je vous ai dit, hein. Soumission là, c'est pas bon. Soumission. On peut causer, on peut rire de tout, hein, mais la partie de soumission là. Ça, je suis contre ça. Même dans le cercueil, je vais être contre ça. Belle-mère. Ma mère n'est pas facile. Mais ma mère n'est pas facile, mais elle est facile à elle. Comment on appelle ça? Elle est facile à elle, son fils, hein. Les femmes les copines de mon frère qui viennent, ils trouvent ma maman bien. Mais elle n'est pas facile en relation mère-fille, je comprends. Un jour, je vais vous faire un direct sur relation mère-fille. Pour que vous compreniez pourquoi parfois c'est pas difficile avec nos mamans. Pourquoi nos adolescentes c'est pas difficile. J'ai quelque chose là-dessus. Comme je vous ai dit, hein, à l'Université de Montréal, on a étudié. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, pour que tu ailles à l'Université de Montréal, il faut que tu aies eu le bac déjà. Donc, c'est avec un baccalauréat qui est le DEP. Qui est le DEC, diplôme d'études collégiales, qui te permet d'aller à l'Université de Montréal. Donc, on a étudié les relations mère-fille. Pourquoi ça ne colle pas? Vous comprenez? Donc, ma belle-mère, je n'ai pas de respect à lui manquer. Elle est comment? C'est mon mari qui met devant. Si ta maman m'a manqué de respect, je te mets devant. Voilà où ta maman m'a en train de m'amener. Ta maman t'a me manqué de respect. Je ne peux pas accepter. Il faut régler ça. C'est ça qu'elle a. Donc, je ne vais pas sauter mon mari pour aller manquer de respect à sa maman qui m'a manqué de respect. Si elle manqué de respect à ma belle-mère, elle manqué de respect à ma maman. Voilà comment moi je vois. Ma Juju, comment tu es? Ça fait une heure et quelques qu'on est là. Donc c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est comment ils perçoivent la chose. Comme j'ai dit à mes beaux-parents, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Oui, mais je veux le respect. Ah oui, 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 je veux le respect. Mais, belle-mère, je vais te tolérer. Mais belle-sœur, je ne peux pas te tolérer. Je ne tolère pas belle-sœur. Il y a déjà fait une vidéo pour ça avant.
Ok. À 10 degrés? D'accord. Ok. D'accord. Je vais régler ça. On aurait pu mettre ça en bas, alors. Vous comprenez? Oui. Il y a pas la... Ok, comment il s'appelle? Lorcia Sarah. Je vais... Ok, c'est beau. Oui. Le bon dit non. Ne manque pas de respect à ma belle-mère. Elle a quoi? Elle est... Si elle veut, elle a qu'à être compliquée, elle a qu'à être Katanga. Elle a qu'à être comme elle veut. Il ne va pas lui manquer de respect. Mais je vais mettre son fils devant elle. Hein. Hein? Je vais te dire, hein? Voici ta maman qui est en train de me manquer de respect. Hein? Ta maman est en train de me traiter que moins que rien. Hein? Je suis l'enfant d'autrui. Hein? Je vais le mettre devant sa maman. À un moment donné, il va dire stop s'il t'aime. Il va dire stop à sa maman. Mais quand le fils lui parle, quand c'est son propre fils qui lui parle, là, elle va se récaler. C'est juste qu'il ne faut pas sauter le mari pour venir lui parler. Ah oui, 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 oui. C'est ça. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème où je suis là. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, on est... La belle-mère te dit, hein? Ok, mais... Oh, basique. Ok, d'accord. L'océan Sarah. Ben, ça c'est. Ok. Les filles de la belle-mère dit 1. Jaria dit 10. Et puis, toi, tu es marié son fils. Et la belle-mère a dit 1. Toi, tu as dit 10 déjà. Je ne veux plus vous dire que vous voulez vous marier. Nous, on n'est pas pour soumission. Hein? Moi, je ne suis pas pour soumission. Tout le monde connaît ma position. Mais moi, qui suis pas pour soumission là, c'est moi qui ai dit que ta parole doit pas sauter la parole de ta belle-mère. Ta parole doit pas sauter la parole de ta belle-mère. Et donc, meilleur comportement, tu mets l'enfant ton mari devant. Tu le mets devant. Voici. Voici ce que ta maman m'a dit. Tout tu dis à ton mari, hein. Voici, 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 voici. À un moment donné, s'il aime sa femme, là. Maintenant, c'est toi, il te protège. Parce qu'il y a problème. Pelle l'enfant. Merci beaucoup. Oh, Wendy, sois bénie. Merci. L'enfant d'autrui que tu as marié, tu n'as pas accepté que ta mère la maltraite. Tu n'as pas accepté que ta mère la rabaisse. Même si elle était une ancienne prostituée, tu n'as pas accepté que ta mère l'insulte, non. Ben, tu l'aimes. Donc, c'est l'homme que tu mets devant. Donc, arrêtez de sauter vos maris. Pour insulter les belles-mères. Je ne sais pas comment on insulte belles-mères. Ma belle-sœur qui avait dit dans les couloirs que je ne l'aimais pas, je lui ai dit aussi que je ne l'aimais pas vis-à-vis. Elle avait dit dans les couloirs là-bas qu'elle ne m'aimait pas. Moi, quand on m'a dit là, vous savez que c'est quoi, hein? Quand on m'avait dit là, j'ai gardé ça au chaud. Je suis une gardeuse au chaud. Et puis quand j'ai gardé au chaud là, il a fini de parler, c'est fini. Elle avait dit dans le couloir qu'elle aimait. Moi, je croyais qu'elle m'aimait. Alors qu'elle avait dit dans un couloir qu'elle ne m'aimait pas. Que mon frère a fait quoi avec elle? Son frère est plus âgé que moi, mais elle a dit que moi j'étais plus âgé. Mon âge, on n'a pas diminué. Mes frères, ça dit, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes en contact avec mes frères. C'est mon vrai âge qui est là. Maman a 45 ans passé. Là, c'est 45 ans passé maintenant. Elle avait dit que, à l'époque, j'étais grosse, j'étais en forme. Elle a dit qu'elle était plus âgée que son frère, qu'elle ne m'aime pas. Quand on m'a dit, là, j'ai gardé au chaud. Bah, belle soeur, je ne te tolère pas. Hein? Je tolère belle, mais belle soeur. Non. Je ne l'ai pas toléré. Elle avait j'ai dit que moi-même, je ne t'aime pas. Tu crois que je t'aimais? Elle a dit ça, j'ai dit, je ne t'aime pas. Elle était, ce jour-là, elle n'en revenait pas. Elle a dit qu'elle ne t'aime pas. Donc, pour moi, une fille, tu es mariée à un homme, tu insultes sa maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais même, peut-être tu as incité la maman de ton mari, pourquoi? Donc, tu as incité ta maman. Si tu insultes ta maman, c'est que tu peux inciter
Si tu insultes ta belle-mère, tu peux insulter ta maman. Il y a nos mamans qui sont pires que nos belles-mères. Elle t'a accouché, hein, mais tu ne comprends pas son comportement. Donc pourquoi? Pourquoi tu as incité belle-mère? N'insulte pas belle-mère. Belle-mère, je te gère, je fais un minamina avec toi. Une belle-mère, on fait bleu-bleu. Une belle-mère doit venir te dire, je croyais que tu étais comme... Ma belle-mère m'a dit ça. Quand j'ai accouché Wendy, là, j'avais le choix entre aller chez ma mère et chez elle. J'avais le choix. J'ai dit non, chez elle est tout près. J'étais tellement fatiguée. Où on avait oublié la compresse en moi. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit non, maman. Après, j'ai venu chez toi. Mais j'ai allé. Je suis allée chez la vieille. Elle m'a dit. Elle dit, comment je te croyais, tu n'es pas comme ça. Ben, je me suis mise. Je faisais ces petits trucs. Je faisais à manger pour. Je faisais tous ces petits trucs. Tout ce qu'elle voulait, je faisais tout et tout. Pas que je cherchais le. Pas que je cherchais le. Ça dit l'affection forcée. Non, c'est pas ça. Mais je voulais lui donner sa place. Et c'est cette place-là. Que je lui ai tellement donné que quand il y a problème entre son fils et moi, elle dit, je vais écouter ma belle-fille d'abord. J'ai écouté ma fille. Pas mon, ma belle-mère, c'est mon homme. Elle dit, j'ai écouté ma chérie. Quand elle dit ma copine seulement, mon cœur est déjà glacé. Elle ne parle pas pour qu'elle dit ma copine. Il faut laisser le coco taillé là. Il faut le laisser. Faut laisser ça. Où il va? Où souris va envoyer bagage? Souris va pas envoyer bagage quelque part. Souris là, quand la souris vient, elle mange et puis elle s'en va. Elle laisse le bagage sur place. Souris va pas envoyer bagage quelque part. Donc, vous qui rêvez, vous qui fantasmez là, vous continuez de fantasmer. Ça va pas aller quelque part. C'est ça qui est là. Bon, mes impactés, je crois que c'est depuis que je suis sur la toile, c'est le plus long direct. Donnez-moi l'heure et puis je vais vous laisser. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Partagez mon direct. Partagez. C'était le direct de l'anniversaire. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct et puis. Nika Louise. Ouh, 2h01, pardon, je vous laisse. Ouh, là là, Corinne. Corinne Noms, pardon. Je vous laisse. 2h, maman, ça fait 2h. Je ne savais pas qu'il allait faire direct de 2h un jour. C'est le premier direct qui a fait 2h, direct d'anniversaire. Merci beaucoup. 2h01, c'est assez. Si ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.